Et bonsoir tout le monde! Bienvenue pour un nouveau petit live sur PO2Kappa. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Salut freelancer, comment ça va? Et boum, me voilà, bonsoir. Alors, je vais commencer par baisser un petit peu le son de la musique parce que je vais pas m'entendre. Ensuite, on va mettre le son du jeu. Et on va être pas mal. Yep, ça va bien, ouais. Un petit peu fatigué de la journée, mais on va se faire un petit stream posé. On va être pas mal. Et puis ça va bien se passer, on l'espère. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas beaucoup avancé depuis le dernier stream. J'ai viens de terminer cette petite plateforme ici où j'espère pouvoir... Et non, encore, je vois du Jungle Edge, ça va me faire chier. J'espère pouvoir apercevoir un petit paquet de poulets pour pouvoir terminer ma quête de Passive Farm. On essaiera de voir. J'ai vraiment spawné un endroit de merde pour les mobs, enfin, en tout cas pour les poulets. Puis j'ai pas envie de faire la chasse aux ocelots, honnêtement, donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai fait ça, j'ai avancé ou pas? Non, j'ai pas avancé dans... Ah bah parfait! Elle vient tout juste de pousser, la Brown Flower Seed. Là, j'ai obtenu toutes les seeds que j'avais, dont j'avais besoin pour Botania. J'ai toutes les seeds maintenant. Et bah on n'en parle plus parce que honnêtement, le reste, ça va fonctionner. Si la Brown, va falloir que je la plante parce que je l'ai pas autrement. Mais toutes les autres, on va les faire fonctionner avec des... avec les pétales, ce sera beaucoup plus facile. Je vais planter la Brown maintenant d'ailleurs. On va la planter ici. Voilà. On va mettre une podzelle là, une podzelle là. Très bien. La Brown, elle est ici. En vrai, j'ai juste à la planter une fois, la faire pousser, récupérer un petit pétale. Parfait. Et là, j'ai tous mes pétales. C'est très bien. Le reste, on s'en fout. Ça, je peux ranger pour l'instant les crops. Je vais en laisser 1, 2, 3, 4. Ben, il m'en reste 12 à récupérer. 12. Parfait. Ça, c'est bon. Ensuite, si j'ai fermé un tout petit peu, j'ai terminé de farmer les 60 dark steel dont j'avais besoin. J'ai récupéré. J'ai sifté aussi du Nether. Crash Netherrack pour avoir le rubis qui me manquait. L'idée, ça va être de finir les lasers, les 12 lasers requis pour la quête de l'Assembly Table. On va y venir dans un instant. Tiens, d'ailleurs, je viens de penser que je me rappelle pourquoi j'avais pas mis. J'avais rien mis devant ici. C'est parce que ici, je vais foutre un laser. Donc pour l'instant, vous l'avez, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours pas bougé ma production d'énergie. On va changer un petit peu ça à un moment donné, mais pas tout de suite, tout de suite. On va devoir attendre. Et le petit plantage, justement, tiens, on en parlait l'autre jour, j'en parlais l'autre jour. Le petit plantage avec les viaducs. Bah voilà, un beau petit plantage. Alors il y a sûrement un item dans mon inventaire qui plaisait pas. Et donc, bah, le petit plantage des familles, ça fait plaisir. On attend que ça reload, on va voir. Et puis, on va peut-être commencer à penser à autre chose que ces viaducs. J'ai aperçu, si je me trompe pas, j'ai aperçu dans le modpack qu'on avait bah, des élévateurs. Donc on va peut-être investir dans des élévateurs. Ce sera plus simple, plus rapide, tout ça. On va voir. Voilà, voilà. Alors ça, c'est en place. Ça. Ça, c'est curieux, ça. Pourquoi il me dit que... Ah, c'est parce que mon truc est pas en place, hein, c'est ça. Ouais, voilà, là, c'est mieux. Évidemment. Là, ça va mieux. Je sais pas pourquoi ma page de retour était pas bonne. Ok, ça, c'est bon. Beaucoup mieux. Hop là, on attend que ça se lance, c'est bien ça, on commence un stream par un petit crash du jeu. On va mettre des élévateurs, puis ultimement j'aimerais bien, je crois qu'il y a l'Angel Ring, mais l'Angel Ring, il doit me manquer quand même pas mal de matériel. On va regarder ça, on va jeter un oeil à l'Angel Ring, juste voir si on peut atteindre le vol créatif direct. J'ai pas allumé la lumière.
on va allumer la lumière. Hop. Et voilà, ça va aller mieux. Toujours chiant les crashs sur du modé quand t'as plein de mods, c'est une horreur. Ouais, bah ouais, c'est parce que tu as t'as des genre des petits bah des incompatibilités, des petites conneries qui font que ça qui sont pas prévues évidemment et voilà. Heureusement, le modpack est pas trop long à charger, hein. On n'est pas sur les modpacks qui prennent 10-15 minutes là comme je crois que c'était Enigmatica qui prenait ce temps-là. Là, je regardais les streams d'ML2G, puis c'était l'enfer là quand il avait des crashs. Heureusement pour nous, c'est pas le cas. On est tranquille avec ça. Je suis en train de regarder, ça c'est pas trop mal. Hop. Faut vraiment que je fasse quelque chose avec cette chaise là, j'en ai marre de glisser. Bon, allez. On vire tout ça. Ça me tente pas de jouer avec. Et pour remonter, ben merci les boots pour sneaker. Et on va aller se faire un petit. Des petits élévateurs tout de suite. Oulala, c'est un petit peu laggy. Ben oui, je viens de relancer le jeu, je suis con. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça on vire. Les viaducs. Ben les viaducs en vrai. Du balai. Est-ce que je peux les recycler ceux-là? Non! Ma poubelle. Ouais, poubelle. Allez hop. C'est réglé, on n'en parle plus. Tiens, on va récolter un peu de redstone, je vais en avoir besoin à un moment donné. J'ai quelques petits lags. Hein. Le temps que ça redémarre tranquillement. On a dit élévateur. Un petit élévateur, boum, facile. Ah, des enderpearls, évidemment. Enderpearl, va vraiment falloir que je pense à améliorer mon système de récupération d'enderpearl parce que honnêtement, donc ça déjà, c'est ça n'a pas encore poussé du tout depuis la dernière. C'est aussi vous dire le temps que j'ai passé sur le serveur. Hein, j'ai pas beaucoup avancé. Et j'en ai malheureusement pas récupéré beaucoup avec la ferme. Donc ouais, va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Alors, ici, boum, ici on a ce qu'il nous faut. Est-ce que je me fais d'autres élévateurs? Non, on peut les laisser en blanc, on s'en fout en vrai. Clac, donc là j'ai un élévateur. J'ai un élévateur, mais évidemment il faut que je commence par celui d'en bas, sinon c'est pas drôle. Voilà. Ok, lui, est-ce que je suis... Ça va. Et maintenant, on remonte et ça devrait faire le job. Là, merci. Merci. Et donc là, ok. Ah ouais, puis c'est un peu plus rapide en plus, ça va être tip top. Ok, on a réglé ce problème là. Maintenant, j'ai pas besoin de bouffer, hein, on n'est pas obligé. Je vais ranger mon matos de sifting, j'en ai pas besoin pour l'instant. À un moment, il faudrait que je le remette en place, ce serait bien. Quand j'aurai régulé un petit peu mes affaires de... J'ai balancé ma... Ah non, elle est là. Quand j'aurai régulé mes affaires d'énergie, en fait, tout simplement, dès que j'aurai pu transformer mon système d'énergie correctement, ce sera bon. Alors, on va jeter un œil. Je sais que j'ai mes quêtes de Botania à terminer. Enfin, les quêtes des graines de Botania à récupérer. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. On a terminé toutes les graines de Botania. Ça, c'est une bonne chose. Alors, on pourrait avancer un petit peu sur Botania ici. Mais comme j'ai dit, j'aimerais bien... terminer la quête de l'assembly table parce qu'on l'avait commencé l'autre fois et puis ça pourrait être sympa d'en finir avec ici peu importe en vrai. Tac. Alors pour ça il me faut, on a dit les lasers, on avait dit il nous faut deux redstone à l'œil. Ah, c'est des redstone à l'œil, puis moi j'ai fait des raids à l'œil, quel idiot. On va vérifier ce qu'on a fait. Hein. Je crois qu'on a fait des bêtises. On a fait des bêtises? Oui, on a fait des bêtises. On a 22 redstone alloy. On a 5 x 12, 60 dark steel. On a 24 de rubis. Il nous manque 2 redstone alloy. Pour faire des redstone alloy, évidemment, on se rappelle, c'est avec l'alloy smelter, il nous faut du silicone et de la redstone. Comment on fait du silicone? Évidemment, je ne l'ai pas regardé. Mais ça me paraît assez simple. C'est le sag mill qui va nous prendre...
Ça peut être avec de la clé. Ça peut être avec de la redstone. Mais plus probablement avec du sable ou de la dust, évidemment. Tiens. Tiens donc. La dust, ça nous coûte moins de RF. Tiens, c'est marrant ça. Allez, on va. Ben, on va se faire un peu de sable, tout simplement. Pour se faire du sable, rien de nouveau, le petit stack de cobblestone ici. Tac. Parfait. Et on va chercher la petite wand qui va bien. Boum, boum, boum. Et évidemment, j'espère que j'ai des. Ah oui, j'ai un hammer, c'est bon. Parfait. On recommence. Parfait. Impeccable. Et voilà. On a du sable. On va aller sifter ça. C'est où? C'est par là. On va aller passer ça dans le swag mill. Ici. Boum. On enlève le sulfure évidemment qui n'a rien à foutre là. Et j'aurais pu prendre de la redstone, hein, comme ça m'aurait évité des allers-retours, mais non, c'est tellement plus sympa de faire quelques allers-retours. Faut que je m'habitue, hein, parce que j'ai plus l'habitude d'utiliser ces trucs-là, ça reviendra. J'ai 4 de redstone. Bah, c'est largement suffisant en vrai. Donc, ça, c'était pas nécessaire. Je vais aller jeter un coup d'œil. Alors, j'ai fait. Ah oui. Ici, j'ai fait un petit peu de tri par rapport à ce que j'avais. J'ai viré, en fait j'ai sauvegardé les vaches qui m'intéressaient. Alors elles doivent être ici, les fluid cow qui m'intéressent. Et ici je me suis gardé deux vaches classiques au cas où j'en ai besoin un moment. J'ai un cochon, deux moutons. Voilà. Ça laisse de la place s'il y a d'autres vaches qui ont envie de spawner. Et puis voilà, puis on verra ce que ça donne un petit peu. La vache à lave ici, toujours en forme. On va aller d'ailleurs en profiter pour lui donner un petit. Pour la traire, 5 minutes. Parfait. Donc, on va finir notre quête des lasers. Ce serait pas mal. Voilà. Ici. Voilà, on a du silicone. Ça, il n'y en a plus besoin. 1, 2, 3. Dans le fond, juste 2 en fait. Hein. Parfait. Et on est bon. Ici j'ai un octadic. Ici j'ai pas d'octadic. Je pourrais, hein, je pourrais faire les octadics, mais il faudrait que je commence. Ouais, encore ma production d'enderpearl, il faut vraiment que je la booste. Comment je peux avoir des enderpearls? Les enderpearls, je peux les avoir avec de l'enderpearl powder, qui est elle-même obtenable avec de la grindstone. Ouais. Mais non. Obtenable? Ouais, obtenable. Enderman Seed, évidemment, que tu peux mettre sur n'importe quel bloc. L'Enderman Seed, c'est une Minicio Seed avec de l'Imperio. Je suis pas encore rendu à l'Imperio, évidemment. Et 4 Enderpearl, et j'arriverai à mon Enderman Seed. Ça va, mais il faudrait que j'avance sur. Justement, sur notre. Sur. Magical Crops, c'est ça? Je sais plus, je crois que c'est ça, Magical Crops, Enderman Seed. Elle est où mon Enderman Seed? Elle est là. Magical Crops, c'est ça. Faudrait que j'avance sur Magical Crops pour pouvoir faire cette affaire-là. Alors, ici. Tac. Pardon, on y va. Et boum. Les 12 lasers, on a terminé la quête, on va la récupérer. Alors, la quête des lasers, on se rappelle, elle était ici. Ça va me débloquer quelques petites affaires. Loot chest, ça c'est bon. Alors, je vais pouvoir bah oui, débloquer les chipsets, endo pump. Pumps liquid to put into tank. Ouais. Les upgrades de transfer node, ça peut être utile, même si pour le moment les transfer nodes, je m'en sers pas trop, à part pour ma ferme à cobble, mais même à ça, la ferme à cobble. On n'a pas besoin d'aller plus vite que ce qu'on fait déjà. On pourra faire le Division Sigil à un moment donné. Ça pourrait être intéressant. Ça nous ferait de la Cursed Earth. Ça, c'est cool. Ah, Peel Angel Ring. Il me faut l'Unstable Eagle Ingot. Et ouais, bref. On pourrait avancer dans ce sens-là pour se rapprocher de l'Angel Ring. Il faudra que je regarde le craft de l'Angel Ring. Extra Crystal. Ici, il m'en faut 32. Mais pour m'en faire 32, il me faut beaucoup de.
Dunderhide, donc Dunderpearl. Donc non, j'en profite, le petit loot chest, des wires et encore des wires de Galacticraft. Alors bah ça, on verra ça plus tard parce que Galacticraft, j'ai jamais miné dedans. Alpou énergie, ouais, ça pourrait être intéressant pour atteindre les la créative Builder's Wand. Mais sinon, bof. Ici, ouais, ça se fait. Ok, bon, ça. Ah, Magical Woods, ça m'intéresse. Transfer Node Upgrade. Puis Angel Block, Iron Drum. Et ça me permet d'avoir Magical Wood, puis Iron Bedrockium. Ouais, ça, faudra que je regarde. Il faut que je me fasse d'autres. Alors, il faut vraiment que je me fasse les autres. Voyons. Truc, ça. Compacting drawers pour pouvoir récupérer de l'octuple. Donc pour évidemment récupérer de l'octuple, il me faut donc double, triple, quadruple, quintuple, sextuple, septuple, octuple. Donc il m'en faut 1, 2, 3. Il me faut 3 autres compacting drawers. Ça, je peux pas faire ça. Ouf. Elle va quand même assez vite, ma petite... Ah d'accord, elle est pleine, archi pleine. Ah, ah. Je vais y penser, très fort. On va y penser très fort et ça pourrait être un des trucs à faire. Alors les cœurs, on les, je peux les recycler? Je sais plus. Pas du tout. Donc on les vire, normal. Ça, on les vire là. Le sulfure, on peut le foutre là, on s'en fout en vrai. Le Chance Cube, alors le Chance Cube, par contre, je sais que je peux le virer. Parfait. Alors le Chance Cube, il a changé de tronche. Je sais pas à quelle occasion, mais pourquoi pas. Ok, j'ai mes lasers ici. Les lasers, on les a validés. On va regarder, on va jeter un oeil à l'Angel Ring. Angel Ring. De base. Beaucoup d'ingot, ingot. Il nous faut des unstable ingots, évidemment. Et de la glace. Bon, ça pour l'instant, ça, là, ça va. Il faut regarder le Ring of Light. Le Ring of Light... Ça fait un peu bobo, celui-là. Donc, Dark Solarium ou Flux Thruster. Ouh, c'est pas facile à prononcer. Donc, bref, des trucs bien longs et compliqués à faire. Évidemment, avec du Dark Solarium, des Octadic, en veux-tu, en voilà. Des Fly Control Units qui nous demandent un Soul Binder avec des Bats. Ça peut être drôle. Hein. Magic Core qui se fait avec des. Cryotem Coolant Unit, des Glowstone Elevation Unit, des Nether. C'est pas pour tout de suite. Le ring, ah, ça je peux le faire facile. Ça va. Ouh! Ensuite, ben voilà, hein, donc c'est un petit peu la misère ici. Tout ça, ça se fait, c'est la mort. Alors en vrai, de toute façon, je pourrais pas y couper. Il me faut un Soul Vial avec un Bat. Et Soul Vial avec le bat, c'est... bah, il faut que je me fasse une caverne déjà, où les bats pourraient spawner. Ce qui est pas gagné en soi, je sais pas comment je pourrais le faire. Bon bref, en tout cas, notre petit Angel Ring sera pas pour tout de suite, clairement. Je pense que... donc là j'ai de l'énergie ou... Comment ça se passe? Comment ça marche? Là j'ai de l'énergie avec le laser, très bien. Si je fais ça, je crois qu'avec ça je peux faire quelque chose, non? Pas du tout. Comment je fais pour lier les deux? Ça c'est du BC, Buildcraft. Ok, est-ce qu'il me faut une petite trench? Non. Comment on peut faire ça? Peut-être que j'ai juste mal mis qu'il faut pas le mettre comme ça, mais qu'il faut le mettre. Il faut le mettre à plat. Est-ce qu'il faut le mettre à plat? C'est juste moche, mais sinon ça marche. Ici, non. Rapprocher la petite stable ici. Boum. Boum. Ah, ça c'est débile hein, parce qu'en vrai, c'est ça.
Placer la table après? Non. Ok, je n'ai pas lu. Peut-être que cause the QD to run faster, ça m'intéresse pas. Dire crafting table, très bien, ça. J'ai déjà claim, mais oui, je l'ai déjà claim. Je ne sais pas comment ça marche. On regardera plus près. Anyway, c'est pas urgent. En tout cas, pas pour l'instant. On va se concentrer sur autre chose. En vrai, je vais foutre ça. Je dirais ça pour l'instant. Je ferai le comment dire le ménage. Enfin, j'apprendrai à utiliser ça. Ça c'est quoi? C'est Galacticraft? Qu'est-ce que ça fout là? Eh ben, bah, ça fout que je les avais mis tous là. D'accord, très bien. L'assembly table. On va mettre ça là aussi. Ok. On va ranger ça, ça. Non, ça je peux le garder. Ça je peux le virer. Ça je peux le virer. Ça je peux le virer pour l'instant. On va se faire les compacting drawers manquants. Ça, ça se fait assez bien. Donc 3 compacting drawers. On va se finir ça. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une double, puis j'ai une compressed. Ok. Ça c'est rangé. Parce que soit ça, soit... qu'est-ce qu'il me fallait? Ah oui. Il faut que j'avance sur Botania pour atteindre le Terra Steel. On avait dit. Hein. Terra Steel. Il faut que j'avance sur Botania pour atteindre le Terra Steel. Pourquoi je veux atteindre le Terra Steel? Parce qu'avec mon bloc de Terra Steel, je vais me débloquer la Weak Infusion qui va me permettre de commencer à avancer sur le reste. D'ailleurs, en parlant de Infusion Stone, comment elles sont les autres? Parce que j'ai vu la première, facile. Et après... En vrai? Ok, je peux aller à l'Extreme Infusion Stone easy, en fait. Vraiment easy. Avec... Ah, par contre, il me faut le Catalyst. Alchemy Catalyst. Ça, ça se fait avec une mana pearl, hein, tant qu'à y être. Il me faut 2 Brewing Stone. Brewing Stone, j'en ai pas encore. Living Rocks, ça, j'en ai facile. Du Gold, ça, c'est bon. J'ai pas de Brewing Stone. J'ai pas eu de Brewing Stone, c'est dommage, ça. Ici non plus, hein, évidemment. Non. Oh, j'ai plein de pigs qui ont poussé ici. Eh ben, dis donc. Très bien, les gars. Tiens, d'ailleurs, on va jeter un coup d'œil. Pas tout de suite. Concentrons-nous. Il me faut l'alchimie catalyst. L'alchimie catalyst, je dois avoir. Si je vais vérifier... Tiens, d'ailleurs, comment c'est? Ici, il n'y a rien. Si je vais regarder ici. Déjà, je commence à avoir un petit peu de mana. Puis j'ai vu que j'ai, de toute façon, beaucoup... De Lotus. Ici, j'ai de quoi me remplir facilement mes trucs. Donc, pour tout ce qui est mana, pour l'instant, ça va pas mal. Alors, le point, c'était... Il me faut une... Under... Mana Pearl, pardon. Mana Pearl, on va aller chercher. Tiens, question. Est-ce que j'ai de la man... j'ai une Pearl qui a poussé ici? Pas du tout. On commence à s'approcher du bout. Très bien. On a des copines qui arrivent ici, normal, tout à fait, ici, on range un petit peu. Pearl, j'ai 0 Pearl ici, ça, ça fait un peu chiant. Ok, très bien, on va aller virer ça, tant qu'à y être. Hop, parfait, ici, qu'est-ce que j'ai récupéré? Un Icosaedron, ça c'est très bien, ça je vire, très bien. J'ai gagné une épée, il faudra que je refasse le tri dans ces foutues armures. Parce qu'on n'est pas rendu. Le Chains Cube, on le range à sa place avec les copines. Ça, je viens. Et ici, donc, je vais me prendre une Under Pearl pour me faire le Catalyst. Il me faut également du Blaze. Blaze Rod. Blaze Rod, j'en ai pas ici. Donc, on va aller faire un petit saut dans le Nether tout de suite. C'est-à-dire que ça, je vais le ranger là. Pour être sûr. On fait un saut dans le Nether, on va aller buter deux Blaze, se faire un petit peu de... Tiens, d'ailleurs, avant de se poser la question, là, je vois combien ici. 235, je vais foutre un looting 3 à mon épée. Je vais foutre un looting 3, sinon ça risque de prendre des plombes. Looting 3, c'est donc du lapis, en veux-tu, en voilà, j'en ai un petit peu ici, 128, c'est pas foufou, hein, on peut monter, est-ce que je peux monter un petit peu?
Je sais pas en fait si je peux atteindre l'outing 3. D'abord parce que j'ai pas beaucoup de lapis, et ensuite parce que... Ah, oh, puis là je viens de penser... Je sais pas si je l'avais prévu... 399. Ah, tristesse. Au moins j'ai l'outing 2 pour l'instant. Est-ce que... Oui, j'ai été intelligent. Ah, 7, mais est-ce que j'en ai besoin de 7? J'ai pas besoin d'autant de lapis. Est-ce que j'ai besoin d'autant de lapis? Non, j'ai besoin que de 5 lapis. En vrai. Bon, ça change rien dans le fond. Hein. On va. Le lapis. Le lapis, on va le. On va le planter. On va le planter tout de suite ici. On va le mettre à côté de sa copine, la redstone. Pour l'instant. Évidemment. Sinon. Quand on aura décidé. Quand on aura fait de la place, j'aurais pu prendre un peu moins que ça. Quand on aura fait de la place pour tout ça, on sera plus sûrement, on sera passé aux autres graines plutôt que ça. Alors, Zeverdi, on prend le ménage ici. Hop là. Parfait, le petit. Parfait. Et en fait, on peut même tout simplement se faire plaisir ici. Voilà. Hop là. On va récupérer ce qu'il nous faut de lapis et on va être bon. Hop, voilà. Hop, et voilà, très bien. Là ici, on devrait avoir ce qu'il nous faut. Il nous manquait qu'à 51 si je me trompe pas. On y va, la petite épée. Salut. Parfait. Et looting 3, là on est, là on parle. Là on parle. Parfait. Ça je vire. Et le lapis restant ici, merci. Allez, donc on va chercher des blaze rods pour faire des brewing stands, pour faire notre alchimie catalyst. Pourquoi je me suis fait aïe? Je ne sais pas pourquoi j'ai eu aïe, mais bon. Alors, on se rappelle, la forteresse, elle se trouve par là, je crois. Je me rappelle plus. Si, 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 je me souviens parce que j'ai fait un passage ici le long de la pente, voilà, pour pouvoir accéder de ce côté-là et de ce côté-là si on avance. Boum. Ah bah tiens, salut, toi t'es qui? Toi t'es un imp. T'es mort, l'imp. Et tu m'as filé plein de leather, ça c'est cool. Et bah voilà, c'est par là que ça se passe, hein. On va y aller direct. Les pigmen, vous êtes pas mes... C'est ça, vous êtes pas mes copains. Aïe! Aïe! Casse-toi, casse-toi. J'aurais rempli mon inventaire avant d'avoir croisé un blaze, tu vois. Tiens, d'ailleurs, avant de faire tout ça là, et si je prenais mon petit shuriken, ce sera plus pratique. Sinon, j'arrive d'avoir des. Ouf! Je pense que je vais avoir assez de blaze. Ouh la vache! Voilà, j'ai fait ma mission Blaze. Ça c'est fait. C'était violent. Mais efficace. Alors où je suis? Où je suis? Voilà. Impeccable. On rentre à la base et on fera la suite. What? Salut les copains. On n'entend pas le son du jeu ou c'est moi là? Ah, c'est peut-être dans mes oreilles. Ouais, je les ai entendus maintenant. J'ai plein de copains, ça c'est de l'étain, parfait. Quoi? Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Tiens, d'ailleurs, je suis à combien là? Je suis à custom ici. Ils sont quand même les shurikens, mes shurikens sont pétés en fait. Hein. Ils sont assez violents les shurikens. J'ai un modifier ici, j'ai un modifier ici. Ça c'est cool. Allez hop. Ok. Alors, j'ai des têtes de mobs qu'on veut goûter. Très bien. Eh bien, allons faire un tour du côté
de notre petite ferme à mobs, déposer nos loot et nos loot bags. Parfait, ça c'est bien en place. Les têtes de pigmen. Des spawners, ouais. Le VAT, ça fait quoi ça? Nutrient distillation, j'ai une vache à ça donc je m'en fous. Looting, je m'en fous. Slice and splice, hein. Ah, ça je pourrais déjà le faire ce truc là. Ah non, j'ai pas le solarium. Le solarium ça se fait. Mais le solarium ça se fait bien, c'est du gold avec de la soul sand. En fait, je pourrais faire ça. Très bien. C'est pas prévu pour tout de suite, hein, mais je pourrais faire ça. Ça c'est bon, on va foutre ça là, hein, la pigment head. Ça on va foutre avec d'ailleurs. Comme ça, ça va être. Voilà. Les imps. Ça, ça va foutre là. La bouffe de dégueulasse là de. Ça, je suis pas sûr d'avoir envie de l'essayer là. Raw imphi. Enfin bref. Imphide. Imphide. Raw imphide. C'est de la bouffe, mais ça peut l'air très bon. Ok, ça et ça. Au revoir. Ça, je dois l'avoir foutu là, je crois. Ouais, c'est ça. Ça. Ah, c'est le bordel dans ces coffres. N'en parlons pas. Ça, ensuite, du gold, 1, 2, 3, 4. Pas du tout, il m'en faut juste 2, hein, si je me trompe pas, pour le catalyste. Non, pas lui, pas ce catalyste là. 2, parfait. Donc, bah 2. Il me faut 2 blaze rod, les autres, on peut les virer. Ensuite, il me faut... Oh la vache, ça fait... Un peu dense la musique que j'ai en arrière là. Ça me rappelle ma jeunesse. Ah pas du tout. Comment ça se fait un brewing stand avec de la cobble, évidemment. Pourquoi je... Hein? D'où tu sors toi? Voilà. Ok. Boum, boum. Ça c'est bon. J'ai ça, j'ai ça. L'Underbull, on a dit qu'elle était là-dedans. Ça, je peux les virer d'ailleurs, les cobblestones, machin truc. Ça, je peux foutre cette stone-là ici d'ailleurs. Ici, on va les mettre. Notre petite Under. Notre petite. Qu'est-ce que. Oh, les vaches qui glitch. Ah, d'accord. Ah, c'était pas facile hein, de la faire passer, mon petit magnète, il est un peu trop puissant. Ici, ça, il me faut donc 4 living rock, 4 living rock, voilà. Et donc, bah boum, parfait. Et donc l'alchimie catalyst, on va le foutre bah, ici, en dessous lui, ce serait pas mal. Parfait. Et là, ça marche. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai une... Sérieusement, là, les vaches, pourquoi vous glitchez? Si j'ai mon Terrastyle truc. Terrastyle bloc. Mon bloc de Terrastyle. D'ailleurs, avant de faire des bêtises, là. Ça se craft comme ça. Facile. Parce que bon, il y a des crafts, il y a des blocs, je peux pas les crafter comme ça et c'est très pénible. Donc ça c'est bon. Le terrastyle, alors réfléchissons. Qu'est-ce qui me manque actuellement pour finir mon terrastyle? On va aller regarder notre quête en fait. La quête, il me faut le Terrestrial Agglomeration. Tout simplement. Donc Terrestrial Agglomeration. On a Fire, Air, on a Water, Earth. Il nous manque Mana si je me trompe pas. Exactement. Et mana, on a dit, ça se faisait avec une mana pearl et 5 mana steel. Donc, il me faut une autre mana pearl et il me faut du mana steel que j'ai ici. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, une autre mana pearl, du mana steel et on aura ce qu'il nous faut pour... pardon, ça va être ici. J'en ai encore une ou deux. Oh, c'est vraiment là, l'angoisse, ces pearls là. On n'a pas le temps... Ici, parfait.
et on a dit nos mana steel. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre. Elle est où ma wand? Elle est là. Et évidemment, il nous faut un Living Rock. Donc. Ok. Et là, évidemment, il se passe rien parce que. Parce que ma wand. Mes trucs ne sont pas connectés correctement. Si je fous un coup de wand, que je fais clac, clac, clac et clac, ici, ça va rouler plutôt facilement, plus facilement. J'ai l'impression que lui, il fonctionne pas. Ah, marche pas, marche pas. Ah, beaucoup plus. Un peu plus efficace. Ok, on fait ça, on aura terminé. Est-ce que j'ai encore du. Mais oui, j'ai encore du Living Rock ici. Il m'en faut 5. Il me faut 1, 2, 3, 4 de lapis. D'ailleurs, le 5ème, il a rien à foutre là. Et boum. 5 et 4, 9. On va être bon. Le terrestrial par-dessus. Et on va pouvoir l'attaquer à coup de mana spreader. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Alors, ici. En même temps, j'allais dire, je vais envisager peut-être le magnet de Botania. Mais en même temps, celui-là est tellement puissant. Ça me fait un peu chier. Alors, allons-y. 1, 2, 3, 4, boum. Et le reste, c'est quoi? C'est le mana, les 3 lapis. Ah, c'était ça qu'il me fallait. C'est pour ça qu'il me fallait du lapis. J'avais bien compté. J'avais juste oublié. Est-ce que j'ai du lapis? Mais oui, j'ai du lapis qui pousse ici. C'est vrai, ça pousse très bien le lapis ici. Alors, 17, ça m'en fait 2. Boum. Et ici? Voilà, 27, parfait. Impeccable. Et donc là, on va y arriver. Non. Si je marche pas au bon endroit, ça va pas fonctionner. Alors, non. Si je fais clac et clac. Ah non, il manque le ma. Voilà. Boum. Et là, il m'a consommé ces trucs-là. Ça fait un peu bobo quand même. Les runes, on verra. Et voilà, bon, ben là, il n'y a plus qu'à. On va se faire le Terrestrial Agglomeration ici, même. Ah, et évidemment, je n'ai pas réactivé mon magnet. Voilà. Parfait, c'est beaucoup mieux comme ça, hein. Lui ici, ça, boum, 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 et le dernier ici, et le Terrestrial Agglomeration. D'ailleurs, ah oui, il me faut du Terrastyle. Il me faut combien de Terrastyle? Il me faut 4 de Terrastyle, c'est ça que tu me demandes? Ça, c'est submet, hein. Tu me l'as validé, ce truc-là, hein. Ouais, on va dire que c'est validé. Je suis pas certain. Donc... pour faire du terrastyle, il nous faut pas quoi de vue de most effective, ouais, malheureusement je n'ai pas. Il me faut un mana steel, un mana diamond, puis un mana pearl, évidemment. Donc il me faut au moins 9 mana pearl. 9 mana pearl, ça nous dit 9 ender pearl. Et c'est peut-être là qu'on va arrêter notre progression pour l'instant, parce que les 9 mana pearls, je ne crois pas que je les aurai avant un petit moment. Malheureusement, j'en ai deux ici, très bien, mais ce n'est pas suffisant du tout. J'en ai une qui a été qui est complète ici. D'ailleurs, comment je fais? Je la récolte comment, cette pearl? Alors ça, je l'ai validé. Oh là là, t'es pas sérieux. Ah, tu peux pas les... Il faut que tu les pètes. Oh, ça va pas être drôle. Wow. Donc, nous en sommes à 3 mana pearl. Il nous en manque encore, on l'a dit, donc... eh bien, 6. Donc, le temps que ça pousse tout là, on va peut-être arriver à notre stock de mana pearl.
En attendant, on laisse ça de côté et on va se concentrer sur sur d'autres choses. Alors, Botania, out. Et, ah, bah, sauf si, in the name of, on pourrait se faire les runes, les autres runes. Avancer sur les runes, avancer sur les autres quêtes de Botania, dans le fond. Ça, ouais. Des sparks. Comment on fait des sparks? On peut regarder les sparks. Spark. Qu'est-ce que c'est ça, Spark Tinker? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sparkly Melonade, ça c'est pas notre truc. Master Corporea Spark, Corporea Smirk. C'est quoi ça? À quoi ça sert? Corporea, System to Manage Inventories. Non. Donc ici, bah ça se fait easy en fait. Et on va se servir de ça pour transférer nos trucs. Bim. Ah non, parce qu'il me faut le augment dominant. Il me faut Rune of Fire, ça je l'ai, mais j'ai pas le Pixie Dust. Le Pixie Dust, c'est ça. Donc ce sera pas pour tout de suite les Sparks. Non, malheureusement, les Sparks ne seront pas pour tout de suite. Alors, cela dit, on avait un autre objectif qu'on s'était fixé rapidement en passant. C'était les trois autres Compacting Drawers. On repart sur les Compacting Drawers, ça va être... Je me disperse tellement, c'est incroyable. Je pensais être quelqu'un d'organisé, mais en fait, pas tant que ça. Il nous faut... 2 compacteurs et 4 brasses pour chaque. Donc déjà, il me faut 12 de brasses. On va aller... Ah, j'en ai une autre qui est faite ici. On va la valider là. Parfait. Et on la replante. Parfait. Ah, j'en ai une autre là-bas. Ouh. Ah, bah peut-être que je vais les avoir assez vite, mes underpearls, finalement. Parce qu'on arrive à la période de presque prête de ces trucs-là. Donc ça, c'est cool. Ça, eh bien, je les range ici. Ah, j'en ai encore un autre. Oh là 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 là, on est presque au bout. Ça c'est bon, c'est rangé. Les autres, garde, on va voir après pour la suite. On a dit, en attendant, du brass, il me faut 12 de brass. Du brass, j'en ai un. Donc forcément, on va en avoir besoin d'un petit peu plus. Comment on fait du brass déjà? C'est du copper, 3 copper avec 1 de zinc. Combien j'ai de copper, combien j'ai de zinc? Ici, j'en ai... et ça me fait 4 si je me trompe pas. Donc 1, 2, 3. Et ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de copper. Et normalement, broum, on ferme ça pour pas que ça sorte. Et ça va être bon. On laisse pousser tranquillou. Ensuite, les compacteurs, il m'en faut 2 pour chaque. Donc il faut 6. Il faut donc 24 pistons. 24 Red Alloy Wire, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il manquera d'autre? Le Drawer, ça c'est easy, les Compressed Crafting Table, c'est easy, donc 24 pistons, donc 24 Red Alloy, et 24 Red Alloy Wire, donc ça je pense que les Red Alloy, justement, je m'étais amusé à en faire, pas du tout, j'en ai 5 ici, et ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. On va aller en faire tout simplement. Ça se fait assez bien maintenant que j'ai de la redstone à profusion. Bah, à profusion, en tout cas, en quantité plus importante. Les ingots. Donc, il me faut 24 et 6. Donc, il me faut 30. Bah, parfait. Il me faut ça. Tac. C'est pas du tout assez, hein. On va en refaire d'autres. Ça avance tranquillou. Hop. Block of Redstone, on va prendre ça. Clac, ici, si on envoie ça maintenant, est-ce qu'on est bon? Non, ici on est à 10. On va y arriver. Parfait. Non, pas parfait du tout. Oh, j'ai... hein, je galère. Hein. Ok, ça c'est bon, et ça c'est presque bon, on va lui donner un petit peu de slab, histoire de continuer à écouler notre stock de merde. Ensuite, il me faut 2 drawers par compacting drawer, donc il me faut donc 6, et les compacteurs ne me demandent pas ça, donc il me faut 6 drawers. 6 drawers, ça c'est bon. Il me faut également, on a dit, 3... compressed
Compress crafting table. J'en ai une ici. On va continuer à faire ce qu'il nous faut. Donc, boum et boum ici. Parfait. Très bien. Donc, 1, 2, 3 ici. Très bien. Ensuite, avec ce qui me reste là, j'ai de quoi faire ça. Le compacteur, il m'en faut une ici. Ici, j'ai de quoi faire. Est-ce qu'il me reste des redstone alloy truc? Il me reste 4. C'est pas suffisant, hein. On va en refaire de toute façon. Ici, boum. 12 ici. On va aller chercher le red alloy ici qui se trouve maintenant en présence. Ça, c'est bon. J'ai mes 24 red alloy wire. Ça, c'est bon. Il me faut également 24 d'iron et plein de bois et plein de stone et de cobblestone. Puis on va être bon. Alors, 24 iron. Ça, c'est bon. Plein de bois, plein de cobblestone, et on est bon. Bah d'ailleurs, clac. Ça, ça devrait être suffisant pour la cobble. Et on a dit plein de bois. En fait, dans le fond, il faut 24 pistons. Beaucoup. Voilà, ça me paraît pas mal. Tac, tac, parfait. Donc ici, si je fais ça, boum. 22, pourquoi 22? Parce que j'ai pas assez de cobble. Oh, t'es sérieux? Il me faut... Normalement, ça devrait être bon avec ça. Hop, boum. Parfait, j'ai mes 24 pistons. Ici, j'ai mes 6 compacteurs. Et ici, j'ai pas récupéré mon brass. On verra ça. Alors, le brass ici. Le brass est ici, prêt à couler. Donc, bim. On va juste lui laisser 2 secondes pour récupérer ici. C'est un peu lent. Hop là. Bim. Ah non. Heureusement, j'ai ce qu'il me faut en brasse ici. Ah la loose. Bon bah garde celui-là, fuck it. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave si j'ai un peu de perte ici. Voilà. Tout le monde est content, tout le monde va bien. Ça je vire. Ouais, c'est bloqué, c'est très bien comme ça. J'ai mes 6 compacteurs, et donc ici maintenant, boum, 3 compacting drawers. Et maintenant, et ben, il faut partir de l'un à l'autre, et pour partir de l'un à l'autre, il me faut... Est-ce que j'ai des items... Est-ce que je peux me faire ça déjà? Les petits potes là, items... conduit, voilà. Et les basic filter. Basic filter, facile. Item conduit, ça se fait assez bien. Il me faut du pulsating iron. Pulsating iron, on a dit, c'était relativement facile à faire. C'est de l'iron avec des underpearls. Oh là là, les underpearls. Il faut vraiment que je puisse rusher. Je vais... Je pense que je vais rusher... Là, les Infusion Stone. Enderman, Impo, Imperio. L'Imperio, je peux en faire assez facilement. Attends. Enderman. Enderman Seed. Imperio, je peux en faire facilement, puisqu'il suffira de booster ma stone dans Botania. Ça, c'est facile. Les 4 Underpearls supplémentaires, donc en fait, il me faut 9 et 4, 13. Il me faut 13 Underpearls, et je pourrais me faire de l'Enderman Essence. L'Enderman Essence me servira à faire faire des Enderman, enfin des Ender Pearl, et ça va être bon avec ça. Sauf que il faudrait que je puisse les récupérer de manière automatique, ce qui est pas gagné encore. Là-bas, j'ai encore du stock. Ouais, ça se passe bien ici. Tu peux regarder en bas si j'avais de la récolte. Ok, la pearl ici, j'en ai 7. On y est presque. Les drawers, je vais les laisser ici pour l'instant. On va se laisser ça ici. Boum. Hop. Non, pas du tout. Je vais les foutre ici. Double. C'est ça. Double compresse ici. Et voilà, j'ai tout passé en quadruple ici. Comme ça, je vais avoir un petit peu de stock. Et d'ailleurs, je peux prendre les quadruples ici, puis foutre de la sextuple ici. Comme ça, on a de la place.
Et genre, quand je vais les péter, j'en ferai pas trop. Là, ça remonte très bien. Hop, excusez pour le coup de mon micro. Ça remonte très bien. Les. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous pour l'instant. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On dépose ça. On va aller jeter un œil. Je sais pas ce que je suis en train de faire là. J'attends mes Ender Pearl. Ok, fine. Il me faut du mana diamond et mana steel, c'est ça, hein? Mana steel ingot, mana diamond, mana pearl. Ok, et donc il me faut un 9 mana diamond. On va aller chercher ça. Mana diamond, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana steel ingot, je les ai. Les ender pearls, j'en ai 7 ici. On va les mettre ici pour éviter de faire l'idiot, hein? On a déjà vu certaines personnes dans un mode pack, genre Awakening, se casser la gueule comme une merde, enfin se faire péter une partie de la base à cause d'une Ender Pearl mal lancée. J'ai la Redstone ici. Ok, là ça commence un petit peu à se remplir, là, les loot bags. Là, va falloir faire un peu de place. On va peut-être se faire un petit peu de place, justement, en profiter en attendant que les Ender Pearl continuent à pousser. Il m'en reste quelques-unes qu'on va pouvoir récupérer rapidement. Ce serait pas négligeable en vrai. Je sais plus si je peux récupérer des Ender Pearl là-dedans, malheureusement. Ah, de l'Obsi. L'Obsi, c'est toujours sympa parce que l'Obsi, c'est un peu chiant à obtenir. Alors, cool. On va ranger ça dans mon stock à Botania ici. Les torches ici, le bucket ici. Le bucket, d'ailleurs, on peut le ranger là. Très bien. Et la wand avec Botania ici. Là-haut, j'ai quoi? Non, c'est dans le holding que j'ai mis l'autre sac. Oui, j'ai des sacs en quantité en vrai. Alors, on va prendre 12. Ok, ça, on va le transformer encore une fois. Il faut que je regarde. Est-ce que j'ai des mechanical users? Mechanical. Pas de mechanical user. Crafter. J'ai les fluides, machin truc. J'ai le crafter d'Ender.io. Avec un Z logique. Bah oui, évidemment. Trop facile autrement. Ah, puis il nous faut du silicone. Ah non, du silicone normal. Ok. Phew. Sinon, je peux faire du crafter de RF Tools avec de l'électrotine facile, des compresses crafting. Le machine frame qui me demande. Ah oui, il faut que j'apprenne à utiliser l'assembly table. Parce que malheureusement, je ne l'ai pas actuellement. Ok. Ensuite, on y va. Tac. Appeler. Hop là. On se fait ça vite fait. On finit de nettoyer notre coffre ici pour se faire de la place. Et ensuite, on va avancer sur. Espérons-le, les perles auront poussé suffisamment. Pour rappel, il nous en faut 14 ans. 4, 13 en tout. On est à 7. Ah, bah tout à l'heure. Pas de problème. Pas de problème, freelancer. Hop là. Tac. Non, pas lui. C'est plus lui. Ok, voilà, ça se fait. Ok, là on récupère un petit peu plus d'espace, parfait, impeccable. Donc les deux là, on les vire. Lui, un peu là. Ça, voilà. Alors ça nous fait pas beaucoup de Legendary, puis en vrai je suis même pas sûr que ce soit rentable ce que je fais là, mais écoutez, on va y aller avec ça pour l'instant. Et puis ça ira bien, ça fera bien l'affaire. Tac, parfait. Eh bien, décidément c'était presque. Alors lui, merci. Une Underpearl en plus. Allez, c'est bien ça. Ça pousse. Hein? Ça pousse bien. Le
Botania, je peux le virer là. L'Underpearl, on a dit. Bah avec Botania, justement. On en est à 8. Allez. On est plus très loin du compte. J'ai gagné un diamant, ça c'est toujours cool. Ça, c'est à foutre à la cuisson. Oh là 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 là, le fer c'est de la balle. Ici, ça je peux le virer. Ça on s'en fout. Ça, ici, ici. Voilà, et en vrai, clac, ça va couler, on s'en fout, ça c'est bon. Le diams, on va aller le foutre là-bas à sa place. Tac. Est-ce qu'on a une copine qui a poussé ici? Non, hein, toujours pas. Est-ce qu'on a buté un Enderman dans le tas? Non, malheureusement, pas encore. Ça pousse vite, ça par contre, hein. Ok, on va continuer à bouger un petit peu. On va aller. Bah d'ailleurs, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, malheureusement, pour l'instant, je peux même pas me faire. Il manque une perle pour me faire le Terra Steel. Enfin, les 9 Terra Steel requis. Ici, on va récupérer un petit peu de ça parce que ça fait toujours plaisir. Un peu de redstone. Très bien, faudra que j'avance ou pas là-dessus. On verra. Ok, allez, en attendant, on va pas rester glandé là-dessus. Terra Steel, on y est. Le mana magnet. Allez, on va se faire ce truc-là, histoire de le torcher. Ring of Magnetization. Ok. Il me faut 4 mana steel, ça c'est easy. La mana lens magnetization, c'est. Ah, oh, c'est du très classique ça. Oui, donc il me faut 8 mana steel. Est-ce que j'ai assez de mana steel? Non, j'ai pas assez de mana steel. En revanche, j'ai du steel en masse. Ça, j'en avais fait. Je m'étais fait un peu de stock. Donc j'ai du steel en masse, on va en prendre 12 ici, très bien, ça me paraît suffisant pour le moment. Est-ce qu'entre-temps on a une copine qui a poussé? Non, pas encore. On va y revenir. Voilà, c'est par ici que ça se passe. On désactive le magnète. On fait notre mana steel. Parfait. Et avec ça, on devrait être bon. Il me faut un gold, un iron. Hop là. Il me faut une glace ici. Le glace, j'en ai ici. Une glace ici. Ça, c'est la lens. Très bien. Il me faut. Re. Ah oui, c'était rapide. Je croyais que c'était. Je croyais que tu partais pour un peu plus longtemps. Hop, les. Ça, c'est bon. Tout à fait. Et ensuite. Clac, 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 clac. Et boum, le petit ring. J'hésite. Honnêtement, j'hésite. Je me tâte à. Passively. Passively. Honnêtement. Non, je vais rester avec celui-là, je pense. Même s'il me fait un peu chier, je vais rester avec celui-là. Celui-là, il est excellent, mais. Je vais le laisser là. Hein, en attendant, pour dire que. Mais donc ça je peux le valider, Chance Cube et un Half Heart. Ça, le Chance Cube, c'est ici, copain. Ça, c'est du balai. Ça, c'est bon. Et le mana steel, on le met ici. Est-ce qu'il y a une petite perle qui a poussé? Non, toujours pas. Pas de copine. Oh, tristesse. Et j'ai toujours pas de perle ici. Non, un petit tour pour aller chercher de l'eau pour la grange. Ah, ma bonne app. J'ai pas bouffé beaucoup, moi, ce. Je vais boire de l'eau par contre. J'ai pas bouffé beaucoup moi avant de commencer, puis j'ai un petit peu la dalle. Le repas me paraît bien loin déjà. Bon. En attendant, ces petites Thunderpearl. Ici, je suis en train de me dire que il est très possible que. Ça pousse pas parce que ça a pas un accès au ciel. Ai-je tort? Ou que genre ça poussera que. Enfin ça pousse. Ça spawnera que là. Ou sinon, c'est possible que ça marche pas parce que l'autre là-bas réquisitionne tout le spawn. C'est possible aussi. On va peut-être. On va y arriver, hein. On va peut-être aller buter quelques cochons. Hein, parce que les cochons, on n'a pas besoin.
Yeah, meurs! Meurs! Toi aussi, meurs parce que tu me fais. Ah, il me fait des loot bags, le petit Ocelot. Mais la vache, les pigs! Dis balai, les petits potes là. C'est pas que je vous aime pas, hein, c'est que j'ai besoin de récupérer des poules. Ça c'est bon, ça c'est bon, les petits loot bags, on va les foutre là, très bien. Ah, oh, du Nether Quartz, ça c'est cool. Ah, des Ender Pearl, très bien. Des Black Air Lotus, ça c'est cool, on peut les foutre là. Les Ender Pearl, ça c'est bien. Donc je peux aller me faire le Terra Steel dès maintenant. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, pour faire du Terra Steel, prenez votre wand, prenez vos diams et vos pearls. Désactivez ceci d'abord parce que sinon ça n'a pas marché. Voilà. Donc les on va y arriver. Les 9 diams, les 9 pearls, celle-là en plus, mettons les mana steel et on y va. Donc on va prendre le petit Pine Mud ici, salut, et lui, salut aussi. Comme ça, on n'est pas trop mal. Est-ce que je passe par-dessus? Oui, je passe par-dessus, très bien. Donc, on fout une mana pearl, un mana steel, un mana diamond et boum! Ah, yeah! Alors, est-ce que ça va aller assez vite? Est-ce que je vais avoir assez de mana aussi? Ah, on va peut-être se remplir. Voilà, on a rempli un petit peu les copines pour que ça pousse. Allez, j'espère que ça va être bon. Je sais plus. Mais alors en même temps, bon, le temps que ça spawn aussi. Le temps que ça despawn, c'est quand même assez long. Est-ce que j'ai des meilleurs spreaders que ça? Pulse mana, non, ça c'est fond, c'est pas bon. Elven. Le Elven, je pourrais pas y accéder encore parce que de toute façon, il me faut du Terra Steel avant. Spreader Turntable, on s'en fout pour l'instant. Ça. Bon, tranquillement, c'est lent. Et les lens. Si je veux une Velocity, il me faut une Rune of Air avec une mana lens. Parce que lui là, non. Ok, lui. Lui, il est toujours vide. Lui. Il est vide. Par contre, Spreader, je me suis initié à Tania. Ah! Bien! Bien, bien, bien. Puis, t'aimes ça? Je sais que mon cousin, qui joue pas du tout en modé, hein, enfin, joue pratiquement pas en modé, il avait commencé par essayer de faire du Botania. On s'était fait un petit serveur vite fait de. Un petit serveur de avec quelques mods pour le fun, que j'avais choisi, enfin, qu'on avait choisi ensemble. Et. Il a essayé de se lancer sur Botania, puis il avait vite lâché l'affaire parce qu'il avait trouvé ça beaucoup trop compliqué pour lui. Même si, bah, c'est pas le plus simple des modes, mais c'est quand même un mode qu'on peut faire assez bien. Ouais, ça va, il est marrant, Botania, ouais. Ouais, non, c'est quand même assez marrant, puis ça a des effets sympathiques. Et voilà, en fait, à partir du moment où tu arrives à mettre des setups de mana assez facilement, dans le fond, Botania, ça va. Easy, parce que bah, tout est à base de mana. Et t'as plein de façons de récupérer de la mana, t'as plein de façons d'utiliser ta mana. Et ça marche assez bien. J'ai peur que ça marche pas. C'est un peu lent. Pourquoi t'es à fond et tu transfères pas, toi, Jean-Marc? Ouais, je crois que je vais laisser faire ce truc-là. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que ça ne marche que avec des sparks? With alt, diffusion uses half a mana pool total to create a multiple single piece. Multiple spark would make it go faster too. Terra Steel.
Mana would need to be provided to this block sparks would be the most effective way. Ok, si je vais garder mes sparks, justement. Mana manipulation, sparks, allez. Interesting and inclusive from combination of raw energy and mana, they have the ability to be placed on top of a few specific mana containing or exiting block many mana pools. Some blocks have the ability to harness mana from sparks, but the use for them seem limited to a few blocks right now. Placing a spark on top of mana pool and another on top of a block that can accept it will allow the... Hein, ce sera bien, bien plus efficace que ce que je suis en train de faire. Oh là 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 là, la perte de temps. Donc, on va faire des sparks. Pour faire des sparks, on a dit... spark. Avec un K, ce sera mieux. Petite affaire. Donc, il me faut des gold. Il me faut... c'est pas facile. Hein. Il me faut au moins 2 gold nuggets. Au moins 2 gold nuggets. Pour me faire 2 sparks. Dans le fond, on va se faire, ouais, on va se faire 2 sparks pour l'instant et ce sera suffisant. On s'en va par où? On s'en va par ici. Deux gold nuggets. Il nous faut 4 4 blaze rods. Qu'est-ce qu'il me promet? Il m'en fait lui 2. Très bien, bah, c'est parfait. C'est ce que j'avais besoin. Et on a dit des pétales. Les pétales, on les trouve chez Botania, évidemment. Et ce sera plus efficace. Oh là là, la perte de temps. White, 11. Cyan, 25. On va se prendre 2. 4 de cyan, ça va être très bien. Et donc, bim, les sparks. Cyan, light blue, on s'en fout. En vrai, clac, boum. Et là, on va être un peu plus efficace, n'est-ce pas? Voilà. Et là... Si j'utilise mes petits Black Air Lotus, si j'utilise mon Black Air Lotus ici, en vrai je vais prendre tous mes Black Lotus ici, et on va envoyer clac, 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 et ça va être beaucoup plus efficace. Alright, allez. Est-ce qu'il est bien? Oh, j'ai l'impression. Ah, oh, t'es pas sérieux, ça glitch. Oh, on va y arriver. Voilà, là c'est bon. Pourquoi j'ai pas de... On va y... Eh, oh là 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 là. C'est laborieux mon truc. Voilà, on peut y aller. Ah, là déjà on voit le changement de couleur. Tout à l'heure on était que sur du bleu, maintenant on arrive sur du vert. C'est déjà un petit peu mieux notre affaire. Hein? C'était pas gagné en partant. Donc là on a une spark qui est vide. Donc on va lui foutre des Black Air Lotus parce que sinon on risque d'avoir des petits problèmes. Et évidemment ça a pas marché. T'es pas sérieux. Ok, toi, on voit ici. Et toi, vire-toi là. Quelle tristesse. Ah, oh, ça va merder mon truc. Oh là 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 là. Oh, jamais été aussi inefficace avec Botania. Mais d'habitude, j'ai pas de problème de mana. C'est ça l'affaire. Cela dit, il y a une autre façon de procéder. Hein. Voilà. Et si je refous ma spark ici? Pfff. Dis donc, hein. Hop, donc ici, on y va, tac, 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 parfait, let's go.
Et avant que ça merde, on fout un autre. Waouh, ça va me pomper beaucoup, beaucoup. En fait, je suis pas rendu, hein. Parce que quand je vois comment ça me pompe pour me faire des... J'en suis qu'à 2 et... Ah là là. On va y arriver, hein. Au moins, je vais pouvoir valider ma quête rapidement. On a bientôt fini avec notre affaire ici. Voilà, on a 3. Ça pompe, on y va. Ouais, il faut vraiment que je booste mon setup de mana parce que là, on n'est pas du tout efficace. Voilà, on a fini. Oh là, non, lui, il revient. Allez. On est presque à la moitié de nos 9 Terra Steel. D'ailleurs, en parlant de ça, Terra Steel, comment je fais du Terra Steel? Avec ça, ça. C'est pas pour tout de suite. C'est pas du tout, du tout pour tout de suite. Donc là, on va en faire un autre et après, on va bah, s'arrêter parce que, enfin, s'arrêter sur cette partie-là parce que clairement, mon mana est en train de se prendre une branlée. Là, je peux en faire, je peux plus en faire un autre. La vache, ça consomme comme un fou. Ça me prend une mana pool en fait. En vrai, ça me prend pratiquement une mana pool. Ah ouh. Ok, bon. On laisse ça de côté pour l'instant, on va évidemment revenir là-dessus un peu plus tard, quand ma mana pool aura bien repris ses forces. Il faut que je me fasse un deuxième étage d'Hydrangea. Est-ce que j'ai des overgrowth seeds? Ouais. Une autre overgrowth seeds. Je pourrais me faire un autre étage d'Hydrangeas avec des floating trucs. D'ailleurs, Ah, il me faut une Pasture Seed. That's it? Ah, il me faut du Glimmering. Glimmering, c'est de la Golostone. Ça, c'est easy. Donc, si je me fais du Hydrangeas, Floating Hydrangeas, c'est une Floating Blue. Glimmering Blue, c'est une Blue avec de la Glowstone Dust. Ah, mais il me faut des fleurs donc. Ah oui, ça c'est important à se dire, hein. C'est important à se dire parce que il me faut les fleurs. Et... Il va me falloir les fertiliseurs. Mais ça se fait assez bien. Si je fais ça, normalement il va me le valider. Ça il me le valide. Claim. Je me suis fait un petit peu de fertiliseur. Les Terra Steel, ça c'est validé aussi. Le Chance Cube, c'est bon. Le loot chest ici. Ça c'est bon. Le chain cube, on le vire. Structure générateur. Le truc me fait une tour de sorcier. On se fera un espace un peu plus loin pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis pas trop certain de ce truc-là. Ça c'est rangé. Le spreader. En vrai, le spreader, là, on va le foutre ici. Très bien pour l'instant. Et on va lui dire, vise là. Même si là, ça changera rien. Hein. En vrai, lui, il remplit ici. Et lui. Ça, c'est nul. C'est complètement nul. Oh!
Ok, on va ranger, on va arrêter Botania, je suis pas très efficace aujourd'hui dessus, ça sert à rien de s'entêter. On range ça. Le dislocator, ah oui, on va foutre ça. On va ranger ça. Le dislocator, on va le remettre. On va attendre que le mana pool se charge. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Peut-être plus tard dans la soirée. Ça, on range, on envoie. Est-ce que j'ai des pearls? Non, j'ai pas de pearls. En revanche, j'ai plein de cochonneries. Très bien. Ça, on peut ranger. On verra ça plus tard. Donc, de la mana, de la mana, de la mana. Une autre façon de le faire, je pourrais me faire. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'envisage, peut-être, de me faire les autres fleurs, là, les L, là. Les End of Flame. Ça, c'est bon. Thermalily. Thermalily, c'est de l'absorption de lave, ouais. Et ça me crée des ors. Hein, c'est intéressant ça. Mais ça, on verra ça plus tard parce que de toute façon, j'ai pas l'intention d'avancer là-dessus avec Botania. J'ai pas envie de cramer mon mana. Je sais pas si ça a besoin de mana, mais j'ai pas envie de cramer mon mana. Donc, nope. Ça, on peut ranger. Ça, on recycle. Ça, c'est avec les copains qui servent pas, je sais pas trop à quoi. Ok. Ici, on a lui qui était buggé, voilà. Et maintenant, on va aller regarder d'autres quêtes. Ok, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On laisse un petit peu Botania de côté. J'ai pas envie de. Enfin, on va lui laisser récupérer de la mana tranquillement. French Toast. Ah, oh, ça, on avait vu que c'était le bordel. Qu'il me fallait un œuf. Et j'ai pas d'œuf. Ici, il faut que j'apprenne l'Assembly Table pour faire cette partie-là. Ça, par contre. Ça peut se faire. Et ben, on peut se préparer le sigil. Et ils sont là. Et on va les faire tous d'un coup, évidemment, sinon c'est pas simple, c'est pas drôle. Il me faut de la redstone, 8 de redstone. Il me faut l'enchantment table qui est ici. Il me faut de la grâce. Mais bon, de la grâce j'en ai. Il me faut surtout de l'espace. Et en fait, on va aller se foutre là-bas. Donc il me faut, on va prendre un petit peu de dirt. Préparer ce truc. Elle est où ma dirt? Elle est là. Ça c'est bon. On s'en va là-bas. On va se faire un petit peu de place. Puis quand il va commencer à briller dans le noir, mon sigil, je viendrai me friter ici. Alors, le point est que. Le point est que. On a dit quand il faut. Pardon, c'est ici. In total darkness. Total darkness. Donc, total darkness, ça va être ça. Ça, on va mettre F7 là juste pour s'assurer. Ça. 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 Dans le fond, tout ça. Et là, c'est ça. Là, on est bien à zéro. Ok. Pour s'éviter des problèmes. Quelle heure il est? Quel jour il est? Ok, on est en plein jour. Parfait. On va là-haut. Il doit me rester des fences. Tout à fait. On se prend quelques fences. On va se prendre de quoi faire notre 4 et 1, 2, si je me trompe pas, ou je me rappelle plus comment ça se fait à l'ancienne botanique Vanilla. On va y arriver. Est-ce que c'est comme ça?
Pas du tout. Mais je crois que les jungle wood marchent pas. On va prendre le spruce. Ça marche pas. Comment on fait des trucs? Là-haut. Là-haut. 1, 2, 3, 4. Fence. Fence gate. Comment je fais une fence gate? Forcément. Voilà. Voilà. Ça c'est bon, ça. Ça va là, ça va là, on range. Ça on garde ça pour l'instant ici et on va voir notre affaire là-bas. Et pour s'éviter des soucis, voilà. On va même le mettre un petit peu sur le bord aussi pour éviter qu'il passe par le côté, hein. On les connaît les petits coquins. Et ici. La petite fence gate des familles. Et voilà, très bien. Donc là, je peux tout à fait me déplacer ici. Donc là, c'est presque bon. On va pouvoir mettre de la redstone ici. Attendre que ça pousse. En vrai, on va mettre de la lumière ici pour que ça finisse de pousser. Sinon, ça va prendre des plombes. J'avais pensé, j'avais regardé le watering can, mais c'est clairement pas pour tout de suite. Faut que j'avance un petit peu sur truc. Magical Crops. Ça c'est bon. Ok, bon, le Division Sigil, on va le faire, on va s'en occuper là. Donc on va pouvoir avoir accès à ça et peut-être se rapprocher des autres affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça c'est bon, ça c'est bon. Ici, on pourrait aller finir de buter les têtes ici pour attaquer le Wither Boss. Ça pourrait être une option. Ça, Infinite Water. Ça, soit on peut le faire easy. As fuck. Ouais, on peut le faire easy as fuck, ça. Donc, boiler. Bah, je crois. Boiler, facile. Il me faut 8 iron et une machine housing. Machine housing, c'est 4 brass, 4 carbide et du copper wire. Facile. Copper wire, on a dit, c'était de l'iron. Non, c'était un ça. Avec, d'ailleurs, ça je peux virer. Parfait, c'est ça avec du copper et on va être pas mal. Je vais pouvoir refaire du brass. Pour refaire du brass, on se rappelle, c'est ça avec 3 copper. On fait partir l'ensemble ici, on attend ça. Ensuite, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça c'est de l'iron. Ensuite, il me faut 4 copper, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça devrait me faire mon truc. Le carbide. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bon. Et théoriquement, avec ça, on devrait être pas mal. Donc, si je fais ça, que je fais ça, ça, boum. Pas du tout, parce qu'il m'en manque une étape. Bien entendu. C'est ça. Ça. Parfait. Ça. Parfait. Il manque un iron. Parfait. Clac. Et voilà, là il manque, donc j'ai 4 carbides, il me manque 4 de brass qu'on envoie ici. Et on va être pas mal. Parfait. On y va. Le petit... Nope, merci. Et ça, boum. Voilà, ça c'est fait. Donc ça me fait... C'est ça, si je mets une source d'eau, une source de lave à côté, ça va me faire du steam. Pour l'instant, je ne m'en sers pas. Faudrait que je regarde s'il y a des générateurs à steam qui ont de l'allure. Pour l'instant, c'est pas vraiment mon trip, c'est pas vraiment mon intérêt. On va virer ça. On va récolter notre quête ici avec le loot chest que voilà. Le chance cube, on le range à sa place. Les petits half heart également. Et on va s'ouvrir le loot chest ici. Electrotine, Red Alloy, ça fait toujours plaisir. Electrotine, on va regarder. Je crois que j'ai. Je sais plus qu'est-ce que je peux en faire d'intéressant. Low load power lines, on s'en fout. Inductive furnace, four induction. Très bien. Project Red, ouais, c'est pas exceptionnellement intéressant. Electrotine generator.
Battery box, ouais. Solar panel de Project Red. Avec des électro-silicones qui, évidemment, eux, viennent de électrotine silicone compound qui sont de tout ça, tout ça. La vache, c'est compliqué. Charging bench, ouais. Teleposer, ouais. Frame motor, non. Frame auto crafting bench, ah, intéressant. Faudrait regarder ce que ça donne, ce truc-là. Electrotine, ça me servira pour Applied. En masse. Advanced Photovoltaic Cell pour faire du Under IO Power. 80 RF par tick. C'est pas trop dégueulasse. Ça coûte un petit peu cher. Ah, et puis ça prend des photovoltaïques cell. Oh là là. Oh là là. Et ça peut pas servir après. On a le Solar Generator qui lui devrait être un petit coche au-dessus. Non, même pas. Des aluminium wire, ça j'en ai. Des single solar module, pas du tout. Bref, ça nous sert à faire plein de choses. Ok, ça c'est fait. On continue. Stirling multi-block. Alors ici, il y a de quoi faire plein de blocs. Et ça, c'est un truc qui. Je ne sais pas avec quoi il fonctionne. Just from solid fuel. Donc du coal. Et ça va me faire de l'électricité et de la chaleur. Et donc ça, techniquement, si je le combine avec un... Je crois qu'il y a un heat... quelque chose... heat transfer, non, ça, on s'en fout. Thermopower. Lui, thermopile, elle prend de l'électricité après de la différence de température des blocs. Non, c'est pas tout à fait ça que je voulais. Si je reprends mon multi-bloc ici... Multi-bloc heat, IO, et c'est ça. Je peux sortir la chaleur et l'énergie et me servir de la chaleur pour faire autre chose. Ça peut être intéressant à regarder ça. En vrai, il faudrait que je regarde un peu plus en détail. Est-ce que je peux faire des trucs comme ça? On y va. Stirling Generator. Ça c'est quoi? C'est Magnetic Raft en vrai. Le multi-bloc châssis, le heat et le énergie. Donc on y va. Magnetic Raft. On a dit le Stirling Generator qui se trouve ici. Donc Basic Generator c'est relativement faisable. D'ailleurs Basic Generator, Stirling Generator, ok ça me prend le Basic Generator, ça me prend des Steel Mechanical Components, il m'en faut 4 ici, plus 2 ça me fait 6. Ici il me faut 6 de brass également. Donc 6 de brass on a dit c'est donc 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va être bon. Ça c'est boum, boum, voilà. Le steel, j'ai plus de copper. J'ai plus de copper, il me faut du copper. Copper. Copper, 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 copper. J'ai pas de copper ici. Ici, est-ce que j'ai du copper? Pas du tout. Ah! Ah! Ah si, broken copper ore. Si vous regardez 24 copper ore gravel, très bien. Hop, allez, merci. Non, pas lui, lui. Ah, pardon. Merci. 27, on y arrive. C'est quand même dommage que ça n'a pas boosté, on n'a pas pu avoir assez. On a du sand ici, si on peut avoir de la dust, c'est parfait. 24 de dust ici. 25 ici. Là, ça change rien, hein. On est toujours aux mêmes quantités, sauf qu'on en a un petit peu plus en stock pour la suite. Et copper ore ici, on n'est pas foufou, hein, 6, bon ça nous fait un petit peu, mais c'est pas foufou. Hein. Va falloir récupérer ça. Donc le brass, ça va sortir. Ok, le steel, il me faut plein de steel. Le brass, on le ramène ensemble ici. 6 de brass, ça c'est bon. Et on a dit ici Stirling Generator, il me faut du LV Wire Coil. Le LV Wire Coil, je crois que j'en ai ici. Non, c'est du MV que j'ai. Le LV, on a dit, c'était comment? C'était du copper autour de stick. Il m'en faut juste un peu. Du carbide. Les carbides, on a dit, c'est un de coal avec de l'iron. Si je ne m'abuse. Ah, oulala, là, on a plein de copains là-bas. Parfait, on ira leur péter la gueule tout à l'heure. En attendant, il me faut
Voilà. On verra ça. On ira leur péter la gueule tout à l'heure. Comment ça marche le carbide? Non, mais c'est pas ça. C'est le carbide, c'est du colle autour d'un tungstène. C'était presque ça, je le savais. Tungstène. Parfait, ça je le vire. Et donc du coal, bah, il m'en faut un petit peu plus, évidemment. Très bien. J'ai du carbide. Ok, Stirling, ici. Les LV, on a dit, bah, il nous faut du copper en masse. Copper en masse, ici. Clac, 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 clac. Merci. Parfait. Alors les sigils sont prêts. Sauf que bah là, j'ai pas du tout installé mon setup, donc on verra ça à la prochaine sortie. Ici, il me faut des steel mechanical, je peux en faire. Il me faut, on a dit 1, 2, 6. Voilà. Et clac. Parfait. Avec ça. Je peux faire ça, et ça, et ça. Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Qu'est-ce qui me manque? Ah bah, la machine housing. Donc encore 4 de brass, 4 de carbide. Oh là 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 là, t'es sérieux? 4 de brass. Donc, ok, on va faire la machine housing. Hein. Stirling, basic machine. Ah bah, puis il me faut du copper. Oh là là! LV wire coil. Donc il m'en faut encore. Est-ce que j'ai encore du copper quelque part ici? J'ai pas de copper. Oh là là, j'ai pas de copper. Faut que j'aille chercher. Je vais aller chercher du copper. Ok, on range tout ça. On met ça en pause pour l'instant. J'ai pas assez de copper. On va aller chercher du copper. Ras-le-bol. Alors, bim, on met tout ça de. Ah, le stone brick, on peut le virer. Le LV wire coil, on va s'en servir tout à l'heure. La redstone, on peut la virer complètement. Elle ne sert à rien ici. Voilà. Et on va aller chercher du copper. Ça, on peut ranger. On va chercher un peu de copper. Ah, attends. Eh. Hein? Ah, voilà. Donc, ça, un beau gaspillage. Voilà. Bon, heureusement, j'en avais quelques autres. Ah, le blaireau! Comment j'ai gaspillé! Voilà. J'ai d'autres enderpearls. Ça fait plaisir. Hop! Timing à chier. Alors, pourquoi je me cogne la gueule à chaque fois, là? Aïe! Ça fait mal, ça! Alors, on va aller là-haut. On va essayer d'aller récupérer un petit peu de copper par là. Pig Iron, ça m'intéresse pas. Je voudrais du copper, s'il vous plaît. Est-ce qu'on aurait du copper dans le coin? J'ai toujours du. Ouh là là. Ah! Un poulet. Alors attends, s'il te plaît. 2 secondes. Merci. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne que lui. Salut! Et en vrai, oh yeah! Ouh! J'ai eu mon. Ah la triche! J'ai eu mon super poulet! J'ai eu mon poulet, donc je vais avoir mes œufs. La vache, la grosse là! Alors est-ce que j'ai du copper par là? Parce que là, évidemment, dans le tas là. Ok, les sigils.
on les vire. Voilà, on fait un peu de place. Le cobalt, le cobalt, le cobalt, je vous jure. Ici, j'ai l'impression d'être beaucoup trop passé. D'être passé beaucoup trop souvent. Ta-dam. Allez. Est-ce qu'on a du cobalt, s'il vous plaît? Pas ici. Ah, ah, ah. Du cobalt. Pas du cobalt, c'est du copper qu'il nous fallait. Ça, mutine, je m'en fous. Ici, copper encore. Parfait. Qu'est-ce qui est... Ah, ou... Casse-toi, toi. Hein. Parfait. On a un peu de copper maintenant, j'en ai 7. C'est pas foufou non plus, hein. En vérité, je vous le dis, on n'est pas dans la merde. Du tin, c'est pas terrible. Enfin, on s'en fout un peu du tin ici. Magnésium. Je crois que j'en ai pas beaucoup de magnésium. Du silver, bon, pour l'instant, on s'en fout un peu. Hein. On s'en bat un peu les steaks. Ah, pourquoi ça me... Ah bah oui, parce que ça, ça me fait mal. Hein. Ici, copper, bah parfait. Ah, 15 de copper, c'est un peu mieux. Aïe, le petit lag du quartz. Je sais pas si je vais m'en servir beaucoup du quartz hein, en vrai, mais on s'en garde un petit peu dans le coin. Le coal, on s'en préoccupe pas pour l'instant, c'est pas trop grave. Là, c'est quoi du silver, bof. Il y a un truc glow, ouais, glowing. Ok, bon, allez, hop, on retourne à la maison. Ça, c'est toujours pas, hein, toujours pas récupérable. On retourne à la maison et ça va bien fonctionner. Toi, je t'ai vu là. De l'osmium. L'osmium, c'est pas pour tout de suite non plus. Hein, je m'en sers pas. Quand on commencera à mécanisme, peut-être, mais. Oh, c'est tellement trop pété ces shurikens en vrai. Puis c'est même pas les plus puissants qu'on peut avoir, tu sais. Ah, tu croyais que je t'avais pas vu, hein? Petit enfoiré. Petit enfoiré. Ok, allez. Où est-ce qu'on en est ici? On va acheter un petit coup d'œil à ça d'ailleurs en passant. Ça, ça va bien. Ça, ça va bien, pas de problème. Ok, alors ici j'ai plein de cochonneries. On va un peu là. Ça, on range, ça, on range. Ça, on le... ben, ça, on va le garder. Hein. I, des golden trucs. Ça, on s'en fout un petit peu pour vrai. Ça, on le vire, ça, on le vire. Les champiflets, les champipis, les champignons, on les met là. On va aller faire un tour à la ferme là-bas pour lui dire de prendre tout notre stock et ça va être pas mal. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alright, alright. Oh là 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 là. Alors. On en était. Le copper, oui, le copper est là. Ah oui, mais le copper, il faut que je le passe. Ça, faut que je le passe ici. Ça sera vachement plus efficace. Je sais pas. C'est vrai, je regarde. Je sais pas si je peux avoir plus de d'or si je rajoute des ore processing encore en plus. Je sais plus. En tout cas, c'est pas grave. Ici. Voilà, bim, 32 d'or, de copper, ici, ça nous fait un petit stack là, ça va faire bien plaisir, et ce sera, bah ça fera bien l'affaire, avec tout ce dont on a besoin. On va aller faire un, ah bah oui, hein, on va aller déposer nos loot bags dans le chest qui va bien, voilà.
Voilà, ici on a récupéré un peu de fer, c'est toujours cool. De l'iron, ça on le vire. Ah, un autre sigil, ça c'est cool. Chance Icosahedron, ça c'est bon. Ça virait. Le quartz ici. Les buckets, j'en ai beaucoup trop maintenant. Faudra peut-être même que je commence à les faire fondre parce qu'en vrai, ils vont pas me servir à grand chose d'autre. J'ai du quartz ici. Ici. Ça, je vire, ça, je vire. Normal qu'il est devenu rouge. De quoi, le Chance Cube? Clac, clac. Oui, j'en ai aucune idée. Il a changé. Il a changé. Quand est-ce que j'ai streamé? J'ai streamé vendredi, dimanche. Dimanche, il était normal et il a changé lundi. Lundi, il était comme ça déjà. Je crois que j'ai streamé lundi. J'ai joué lundi. Et il était comme ça. Mais aucun changement. J'ai pas tapé dedans. J'ai pas voulu tenter ma chance non plus. Mais c'est ça. Écoute, tant mieux s'il a envie d'être de cette couleur-là. Moi, ça me dérange pas vraiment. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Alors, revenons-en à nos affaires ici. Alors, il me faut un petit peu de bâton. De stick. Alright. Now. Allez, revenons-en. On a du copper ici en quantité intéressante. On va. Est-ce que j'ai du brass ici? Bah oui, j'ai du brass ici. J'ai ça, j'ai ça. J'ai mon carbide ici, c'est chouette. Donc, revenons-en. Ici, on a ça, on a ça. On n'a pas ça encore et il nous faut ça. Ça, il nous en faut 4, parfait. Avec ça, 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 boum. Pourquoi pas boum? Pourquoi pas boum? Ah bah j'ai pas de fer, hein? C'est mieux avec du fer, hein? C'est mieux avec du fer. Allons-y. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ok. Ensuite. Tac, tac. Parfait. Ensuite. Clac. Et là, il me faut. Bah, il manque du brass. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le reste, par contre? Oui, j'ai mes deux steel mechanical. Il manque du brass. Le brass, on a dit, c'est facile. C'est 1, 2, 3 de copper avec 1 de zinc. Ouais, ou sinon, je fais juste ça. Hein, puis le copper, il peut aller se faire voir. Et le brass, il va sortir après. Dès qu'il va être molten, on va le passer en premier, puis ça va bien aller. Ok, ça c'est bon. Le reste, oups là, pardon. Stirling, il me faut encore deux LV wire coil. On va s'en servir maintenant. Tac. Donc les deux LV, on a dit c'est facile. Bim. Ça c'est bon. Ensuite, les quatre steels, on les a. Les deux carbides, on les a. Et ici, les steels. Voilà, c'est ça. Il nous manque juste le brass. Le brass qui arrive. Ah, qui a déjà dû passer? Ah bah oui. Le brass est passé. Donc ici, on n'a plus qu'à envoyer ça ici. Et donc ça ici. Boum, Stirling. Wouh! Avec ça, il me faut deux multiblocs châssis, un multibloc heat, un multibloc énergie, ion. Donc le multibloc châssis, c'est ça. Machine housing, donc il me faut encore tout ça, donc beaucoup de brass. En vrai, j'ai pas assez, j'ai largement pas assez de copper. Hein. Copper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc il me faut 4 de zinc. Voilà. Bim. En vrai, je fous les 4 de zinc ici. Ça va être très bien. Je pense que les autres ne seront pas tombés. Voilà, exactement. Je vais faire plein de brass. Machine housing. Donc il me faut aussi du copper. Combien on a dit? Ok, parce qu'il me faut une machine housing ici. Donc il me faut du carbide encore, hein. On va prendre du carbide évidemment. Il me faut le heat multibloc énergie, c'est un multibloc châssis, donc 3 multibloc châssis. Ah, attends, 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 parce que là peut-être je suis en train de faire de la merde. Ça, Magnetic Raft. Shift on items to see what they do.
énergie ici et on a le multibloc heat. Mais ça, on a dit c'est le Stirling truc. Est-ce que ça, je l'ai dans le bouquin là-bas? D'engineer's manual. Construction. Multibloc construction. Mais ça, c'est immersive. Magnetic Raft, comment je fais? Magnetic Raft, il n'y a pas de bouquin, hein. On est sur Magnetic Raft ici. On regarde un petit peu, Plastic Sheet. Position Map, non. Ah, tristesse. Je crois que je vais pas savoir. T'es quand même con, hein. Au pire, je fais deux multiblocs ici. Deux multiblocs châssis. Ah! En vrai, ça va aller super vite. J'en ai... Pouah! J'en fais plein avec ça. Donc finalement, ça va aller super bien. Ça va aller super bien. On a dit c'est par là. Je vais aller mettre en place mon matos pour faire la sigil. Right away. Voilà, il me faut... Ah, c'était à ça que servait la redstone. Quel cul. Hop là. Clac. Ici. Non, ici. 1, 3, 4, 5. Parfait. On y va vite. Hop là. On a dit les 5 ici. Parfait. Et là, ça a commencé à piquer le cul. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas traîner. Et voilà. Donc ça, c'est prêt. On n'a plus qu'à attendre le reste. On va poser ça. En vrai, il faut que j'attende minuit. Donc on va peut-être attendre. On va peut-être continuer à se faire plaisir. On va attendre. On va se garder un sigil ici juste pour qu'ils me disent tiens, c'est l'heure de le faire. Et on va s'occuper de ça. D'ailleurs, en passant, j'ai mon petit poulet. Le poulet, il va falloir que je lui mette, que je le mette quelque part pour qu'il puisse me faire des oufs. Et ça fonctionnera. Et j'aurai plus à m'emmerder. Ouf! Ouf! Il y a du monde, hein? Oh la vache! Hein, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a du Wither, il y a un petit Thunderman. Ah ouais, hein. Bon, la ferme à mob est en stand-by, du coup. On va attendre que lui s'active. Quand lui s'activera, je vais m'en occuper. En attendant, je vais essayer de faire mes multiblocs. Enfin, je vais faire mes multiblocs, hein. Soyons optimistes. Voilà, on se fait ça. Il me faut du fer. Le fer qui se trouve probablement voilà, là-dedans. Ça, ça... ça, je peux le laisser là pour l'instant, on s'en fout. Ça me paraît pas mal. Ok. Alors, on a dit. Il me faut 1, 2. Pour faire 1, 2, 1, 2. Parfait, ça c'est bon. Ensuite, avec ça, on se fait ça. Ensuite, il me faut du carbide. Carbide, on a dit, il nous faut du coal. Future discothèque. Ou pas. Je sais pas si... je sais pas si... S'ils apprécieraient la même musique que moi. Oh la vache, il y a du monde. Hein. Ah. Et il y a des copains qui sont pas contents. Incroyable. Le mec m'a spoté à l'autre bout de la... L'autre bout de la scène. Pourquoi lui s'est arrêté? Étrange. Non, ça faut que je le remette. Tungsten, 1, 2. 2, très bien. Hein, on va s'arrêter à 2. Très bien, j'ai du carbide. Ensuite, j'ai du brass. J'ai du brass. Ouais, j'ai du brass, très bien. On y va. Multibloc, ça. Boum, boum. Et là, ça me fait du multibloc. Boum, bah j'ai largement ce qu'il me faut en vrai. Donc ici, multibloc châssis. Pourquoi tu valides pas? Oui, si tu valides. Et donc maintenant, heat et energy. Et ça, ça va se faire relativement vite. L'énergie, c'est avec un low voltage cable. Ça, ça se fait assez bien. Et le heat qui se trouve ici, c'est avec un heat cable. Si je me trompe pas, tout ça, c'est
en place ici. Donc il me j'ai le heat cable et le LV. Voilà. Donc si je fais comme ça, j'ai mon énergie et ça, j'ai mon heat. Et j'ai terminé mon multibloc ici. Quant à savoir comment ça fonctionne, eh bien, on regardera ça. Je regarderai ça de mon côté parce que je n'ai aucune idée comment ça fonctionne. En vrai, j'étais pas préparé pour un tel mode, pour un modpack comme ça, hein, puisque je connais rien. Enfin, cela dit, ça va me faire progresser à mort. Et c'est ça le but. C'est un peu ça le but. Oh, des viaducs. Oh non, pas des viaducs. Eh ben, du balai. Désolé, les viaducs, vous êtes plus mes copains. Alors, le sigil. Et en vrai, je vais. Ouh là là, j'ai peur au John Cena aussi. En vrai. J'ai peur des Creepers John Cena. Donc là, c'est le temps d'aller les buter, hein. Pourquoi je me suis fait cogner? À part le petit truc. Ah, les araignées passent par-dessus, très bien. Les petits branleurs. Ah, j'ai plus de. D'accord, j'ai beaucoup trop donné. Oh! Ah, tiens, ça faisait longtemps! Ça faisait longtemps le petit pote John Cena là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah ça n'a pas été très efficace mon truc là. Ça, on range, ça 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 on range. Ah bah salut toi. Merci, I guess. Oh la vache, il y en a un qui m'a pété derrière la gueule. Ok. Ok, c'est un petit peu dangereux mon affaire là. Hein? Soyons honnêtes. C'est un petit peu dangereux ici. Pourquoi elle explose? Ok, c'est moi qui explose. Je suis en train de me faire un peu violenter. Les araignées débiles, bah ouais, j'ai pas compris. Mais c'est moi qui explose, pourquoi j'explose? Est-ce que j'ai un pouvoir? Ah, c'est peut-être le Unstable qui me fait ça. Aucune idée. En tout cas, là je suis en train de morfler un peu ma race. On va bouffer un petit peu pour récupérer de la vie. Give me some life, please. Merci. Sérieux? Bon, alors. Si vous êtes sages, les gars, vous pouvez venir jusque-là. Oh la vache! Frappe fort, hein? Ah, j'ai gagné des points de vie, très bien. Qu'est-ce que j'ai? Oh là 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 là, j'ai trop de merde dans les bras. Salut, 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 salut. Y a pas que les araignées d'ailleurs. Ouais, c'est clair, je sais pas ce qui leur arrive là. Mais je pense que le boom boom, c'est moi qui le fais. Qui le fait en. C'est moi qui le fais avec, avec mon armure. Oups là, faut pas faire des choses comme ça hein, dans la vie, c'est dangereux. Ah fuck John Cena, comment je l'ai eu? Ha! Yes! Ah, je suis tellement content de lui avoir pété la gueule à lui. Tiens!
Tiens, toi aussi, pareil. Ah, fais-moi les malins maintenant, hein. Ah. Bon, donc ça n'a pas très bien marché mon truc. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce que j'aurais dû faire, au lieu de faire ça, j'aurais dû me concentrer sur quelque chose d'un peu plus tout simple. On va faire un truc simple, vous allez voir. Ça va être plus efficace parce que là, c'était n'importe quoi mon affaire. Et là, j'ai un petit pote qui m'attend là-haut. Je l'ai aperçu. Il est où? Il est où? Il est là. Coucou. Avant que tu viennes me prendre par derrière, tu vois, parce que je te connais, hein. Voilà. J'ai buté deux creepers. Ça, c'est bien. Deux creepers John Cena. Ça me fait bien plaisir parce que les petits fennecs là, qui me prennent par derrière, ça fait pas plaisir. Ça, c'est bon. Withered Grips, ça, on peut les virer. Les têtes, on les frottera ailleurs. Ça me gratte un peu le nez. Ok. Bah, c'est là que ça se passe, hein. C'est là que ça se passe. Ça, je peux le virer. La carotte, qu'est-ce qu'elle fout là, la carotte en vrai? Hein? Qu'est-ce qu'elle fout là, la carotte? Ça, on peut le mettre là. Ça, je le garde de côté parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. En plus, je suis con, hein, parce que j'ai un Division Sigil qui était là. Il aurait fallu que je sorte tous les autres, puis comme un con, je l'ai pas fait. Donc, une chance que. Pas une chance. Au moins, même si ça va marcher, c'est pas trop grave. Ah, reste. J'ai un autre Sigil ici, ça c'est cool. Du call, du machin, du truc, ça c'est bien, on s'en bat pas les steaks. Ok, donc le point, c'est de récupérer ce qui manque de redstone. Je sais plus combien il en manque. Et d'aller remplir ça. On va refaire notre emplacement ici. Très bien. Et en fait, on va y couper à cet endroit-là. Voilà, très bien. Voilà. Et donc là, si je fais. Voilà. Ma pancake a pris un petit. Niveau de plus. Je suis à Grandmaster ici. J'ai. Une vitesse de 43 en mining speed. C'est assez violent. Lui, il est bien, il est en place. Il n'y aura plus qu'à s'en occuper. Mes Constantin Shuriken n'ont pas été rechargés. Donc faut que je reprenne du Constantin. Oh, ça m'embête un petit peu cette affaire-là. Ou alors, j'essaie de trouver mieux que le Constantin. Est-ce que j'ai mieux que le Constantin? Allez, on se fait plaisir. Non, on recommence. Ça, on peut aller le mettre à cuire. Encore un bucket. Sérieux là? Des buckets, j'en ai beaucoup trop. Ça, je peux le virer. Très bien. Notre loot bag. Tant qu'à faire. Tac. Oh bah parfait. Des bones. Et ça, c'est à cuire. Très bien. Donc, on a dit qu'on voulait quoi? On voulait booster nos shurikens. Shuriken. Shuriken, on a dit, ça s'écrit comme ça. Hein. Shuriken. Donc nous, on est sur du Constantin en ce moment. Constantin, c'est 2.5 avec une durée de 520. Est-ce qu'on a autre chose? Mieux que 2.5 déjà. 12? Bah oui, Refine Glowstone Shuriken. Oh, en vrai, je crois que j'en ai. Je peux en faire. Ah non, c'est un Glowstone Ingot. Ah! Presque. Refine Glowstone. Comment je fais de la Refine Molten? Refine Glowstone. Avec un Magma Crucible. Hein, t'es sérieux? Ok, non. Donc non. Glosmium, non. Poképhénium, non. Fairy, ça, non. Certus, Constantin, bah c'est ça que je fais. Manastil, non. Terastil, non. Ementium, Deep Shuriken. Dash, Shuriken, je connais pas. Métis, Peridot. Ruby, Saphir, Jade, Darksteel. Ah bah oui, après c'est le bout de la page. Cactus, non. Flint,
Iron, stone, non, wooden, creative tool modifier, rien à voir. Lumium, shuriken, no, signalum, mithril, enderium, tearjerker, tearjerker. Comment je fais du... Ah, je peux pas faire de tearjerker. Bedrockium ne fait pas de dégâts. Ludicrit n'est pas assez puissant. Toc, 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 toc. Ouf. Awakened Draconium, on n'y est pas. Draconium non plus. Redorum, Obsidian, non. Netherrack, Slime, Paper, Cobalt, non. Hardite, non. Magnoline, il y a 2.5. C'est la même chose que le Constantan. Il sera plus durable. Ce sera ça qui serait intéressant. Le Copper, non. Bronze, non. Alumite, non. Steel, non. Slime, non. Pig Iron, non. Unstable, non. Silver, Lead, Ferrous, Shiny. Bah c'est pas mal le shiny, dense, reinforced. Je vais faire du shiny, même dégâts, mais plus résistant. Ça peut tout à fait se faire, puis surtout que le shiny, j'ai une vache qui me produit du shiny, donc... Oh, Bedrockium Shuriken, c'est assez violent. Attends, mais j'ai pas vu du Bedrockium quelque part là tout à l'heure qui est... Pourquoi lui 5305... 6000, c'est pas le même, d'accord. Lui, il est violent. Hein. Magical Wood, Plastic, Pink Slime, Neutronium, on n'y est pas. Et Infinity, évidemment, on n'y est pas. Nous, on va donc essayer de se faire le Shiny ici. Le Shiny, ça prend un demi pour faire un Shuriken. Sauf que il faut absolument que je refasse mon truc. Donc, avec un Constantan, si je fais ça, et ça, boum, j'ai récupéré une partie, et lui va se remplir tout seul. En attendant qu'il se remplisse tout seul... Ah, j'ai un modifieur. Est-ce que je mets Moss encore? Ou alors, non, je fais juste... donc, Shiny. Est-ce que j'ai du Shiny? Ben oui, j'ai du Shiny Ingot. Il m'en faut deux. Avec deux Shiny, je peux me faire mon Shuriken... complet en shiny, et c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc on va faire ça. Dès qu'il aura fini ça. Comme ça on booste le shuriken. Je sais pas s'il va être suffisamment rechargé. Au pire je mettrai un autre constantant, là c'est pas grave. On recharge ça, comme ça on aura des shurikens plus violents. Comme ça, on pourra se friter un peu plus facilement avec les copains là-bas. Là, ça fait un style, le chemin tout pété là-bas. On va voir ce qui se passe. Hop là, les 4 shiny sont déjà sortis, on y va. Avec ceci. Oh bah parfait, parfait, parfait. En vrai, je vais mettre mon shuriken ici et je vais lui donner clac. Ça marche pas. Donc là, ici, on passe... On est à 150 ici. 130, on passe à 150, ok. Ici. Ici. Il est shiny reinforced, mais il sera jamais... J'ai un constantant qui reste. Si je fais comme ça... Ah, ça marche pas, ça marche pas... Ah, il va garder automatiquement le dernier. C'est parce que le dernier, il doit pas être... Bah, il a pas fini, en fait. 190. Déjà, j'ai un peu plus de résistance. On le garde ici, dans un coin, des fois que ça puisse fonctionner à un moment donné. Ok. Là, là, comment ça se fait que mes potes, là, ils... Voilà, là j'ai tous mes manas. Quel jour il fait? Il fait pas du tout. Yep, là, du lapis, j'en ai en quantité. Ouf! Ouf! Alors qu'est-ce qu'on a ici? Parce que là on a plein de copains. Là. Bacterial Sludge, ok. Adamantine, on l'avait déjà. Osmium, on l'avait déjà. Biofuel, Nutrient, on l'avait déjà, Biodiesel, Lubricant, j'ai deux lubricants, ok,
J'ai une heavy water. J'ai deux adamantines maintenant. J'ai mon raisin. J'ai un deuxième raisin. Oh, brasse. Ouh là là. Toi, reviens. Toi, bouge pas. Bouge pas. Brasse. Brasse, je m'en fais beaucoup. Donc, tant qu'à faire, on va y aller. Envoie. Envoie. T'es où, brasse? Biodiesel, non. Nutrient, non. Brasse. Copine. Brasse, je vais te mettre à côté de mon ami Lava là-bas. Très bien. Parfait. Parfait, mon ami. C'est excellent. Et donc là, ah bah lui, je vais lui essayer de faire son cooldown. Ça, boum boum. Ok, très bien. Là-haut. Lui descend. J'ai mes sigils ici qui sont là, donc très bien. On va aller arrêter de faire des allers-retours. Bon, ça n'a pas été très efficace mon truc. On va essayer de passer ça. Ce serait bien. Alors ici, on fait gaffe à pas se tromper. Ok, les perles, grâce à ce petit champ d'Underlily, ça a un peu plus d'allure. Même si c'est pas foufou encore. Au moins, ça progresse dans le bon sens. Les Enderman Head, j'en ai deux. 7 Necrotic Bone. Oh, j'ai plein d'Enderpearl. Ben non, j'en avais déjà quelques-unes. Très bien. Et là, si je les mets là, parfait. Ah, ça commence à avoir un peu d'allure, les Enderpearl. Très bien. Et là, là-bas, là, qu'est-ce que ça donne, les copains, là? J'ai hâte de vous péter la face. 91 sur 190. Il me reste un modifieur. Je sais pas. Je sais pas si je fais des renforcés. Ça, je peux en faire. Ça, je peux faire comment déjà? Créative. Ouais. On a quand même pas mal de créatifs trucs. Ah non, créative. Creative only, creative mode only, bookcase, machin truc, tire des roquettes de fou avec extra planète, creative dimension builder, cobble generator, flight module. Lui, il faut que j'attrape de l'essence de ghast. Ouah! Dur, dur, hein. Creative energy cell, ça se fait. Ah, il y a moyen de faire des trucs. Alors, qu'est-ce que ça donne là-bas? Coucou? Non, personne. Ah, est-ce que ça va spawner sur la redstone? Ah! Ça va pas spawner sur la redstone, hein, ça c'est pas spawnable. Ah, je crois que ça marche pas. Il faut que je lui donne. Sérieux? Fais chier! Qu'est-ce qui se passe? Alors je récupère beaucoup. Beaucoup d'XP, très bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais écoutez, why not, hein? Voilà, donc là j'ai 65 levels là-dedans, très bien. Et c'est pas fini, d'accord. Je suis sur une pierre qui me donne de l'XP à l'infini, hein, ça a l'air sympa. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est assez fou, hein. Ok, on va prendre une stone brick. On va la... ça va me péter à la gueule. Hein. C'est sûr, ça va me péter à la gueule. Cette affaire-là. C'est sympa, hein? Gagner de l'XP. On réessaye? Et voilà! Je
Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Bon, on va. Et puis c'est juste à cet endroit-là, hein, regarde. Alors, est-ce qu'il y avait de l'XP qui est en dessous, qui est en train de se promener, ou qu'est-ce qui se passe là? Aucune idée. Vraiment étrange. Ok, on va lui laisser le temps de spawner un petit peu. J'ai des sigils ici. Ah oui, il faut que je sorte les autres. Très bien. Et dès que ça aura spawné, on va essayer de voir ça. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est fait. Je l'ai validé? Non, je l'ai... oui, je l'ai validé. Oui, je l'ai validé. Turbine multibloc. J'ai un des multiblocs châssis. Contrôle. Ah, j'ai caps lock, ça. Ouais, j'ai caps lock. Multiblock structure. Place and right click. To see the blueprint. Ah, très bien. Et ça, à partir de Steam. Le Steam, c'est pratique. Parce que... ok, donc là, il est prêt. Sauf que j'ai aucune... Est-ce que je peux avoir des... Merde, je voulais des... Je peux avoir des mobs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, des petits mobs. Toujours pas. Des mobs. On va y arriver. J'aimerais bien qu'il y ait des mobs avant. Voilà, donc Midnight est fini et je l'ai dans l'os. Il faut que j'attende encore la prochaine. Ah, c'est pénible. Et on continue à se faire un petit peu d'XP parce que sinon c'est pas drôle. Je comprends pas. Un petit bug. Je pense. Honnêtement, je pense qu'il y a eu un bug parce que avec l'explosion du creeper et tout ça, ça a dû faire planter le truc. Mais c'est fou là, hein. C'est quand même assez fou. J'ai 78 d'XP là. Internal story, internal experience. 11 955, c'est fou là. Ok, bon, ça c'est prêt. Pour bah, la prochaine journée. Hein. On verra ça plus tard. Ok, on va essayer d'avancer sur d'autres choses parce que sinon c'est pas intéressant. C'est plus probablement ce truc de Steam qui va m'intéresser sur du multibloc ici. Sera peut-être plus efficace. Ça va être intéressant dans un premier temps. Manically refine. So refine tectonic petroleum into oil and sewage into nutrient distillation. Ouais. Ouais, très bien, très bien. You never know le lightning rod. Ça, il me faut du steel en masse. J'en ai pas encore. Thermopower, thermoélectrique générateur. Le thermoélectrique, lui, il va prendre de l'électricité. Ah, et voilà, et voilà. Et là, en plus, l'araignée, elle est pile poil là où il faut qu'elle soit pour que je puisse. Pour que je puisse... Oh, ça me fait chier! Ok, on y va. Tiens, une copine là-haut. Non, pas toi, évidemment, sinon c'est pas drôle, ça c'est bon. On range ça, très bien. On va y arriver. Oui, je vais aller regarder le bouquin. Dans le bouquin, je veux voir le thermoélectrique générateur. Production de ressources. Overview. Non, c'est pas ça. Power générateur. Thermoélectrique générateur. Voilà. Thermoélectrique générateur. Another option of power. Generation and work without the use of any mechanical parts. Instead, they use temperature gradient between two sources. Placing a hot fluid on one side and a colder fluid on the opposing side generate energy based on difference. The following list contains other non-fluid blocks which can be used as source of temperature. Pack d'ice est à 200K, ice est à 273, uranium est à 2000, yellowium est à 2000, plutonium est à 4000, plutonium est à 4000 également. Donc c'est pas ça que je pensais. En fait, j'aimerais bien avoir un truc qui récupère des heat sources. External heater, mais ça on s'en fout. Resistive heater, on s'en fout. Fuel wood heater, ça on s'en fout. Thermal evaporation block, a copper alloy casing used in the structure of a thermal evaporation plant using
It's Inverse Magnet, non. Super Heating Element, on s'en fout. Heat Frame, on s'en fout. Heat Generator, ah! Solid Energy. Mais c'est pareil, même à ça, c'est Heat Sun. Heat Sun, d'ailleurs, comment ça fonctionne? Ça, je peux l'avoir en stivant de la... ça, ok. Et Heat Glass avec du Heat Sun. Donc ça, ça me sert bien. Heated Redstone, non, ça s'en fout. Heat Resistance. Slow Heat Transfer. General Heat... Ah, non, c'est l'inverse. C'est pas lui qu'il me faut, c'est l'inverse. Justement, des heaters, j'aimerais bien... Block the super heat into the enemy connects to the block its sun. Nope. C'est parce que le heat, à quoi il me sert là si je peux pas le iron. Tungsten heat coil. Make the electric furnace work 8 times faster than a normal furnace in enemy somewhat. Aucune idée. En vrai, aucune idée. Le boiler, il produit 80 000 buckets. Heat and water. Ah, ben voilà! Heat and water. Ça fait de la steam. Ah, mais non, mais non, non, c'est pas ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, bon, ça, on peut en faire un. En vrai, c'est assez rapide. Thermoelectric generator. Thermoelectric generator. Ok. Il me faut 5 plaques de constant temps. Ça, c'est facile. Un copper wire. Ça, c'est facile. 3 steel. C'est facile. On y va. Ça, ça se fait easy as... easy si j'ai du... Est-ce que j'ai mes bâtons quelque part? Non, par contre, j'ai tout ça. Ça, je peux m'en servir. J'avais des bâtons, très bien. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Très bien. Copper, 1, 2, 3, 2. Ok. Ensuite, un iron ici. Ok, et le thermoélectrique, il me faut 3 styles et 5 plaques de constant temps. Plate. Comment on fait des plates ici? Avec la metal press ou avec le marteau? Bah écoute, on va y aller avec le marteau, 1, 3, 4, 5, très bien. Est-ce que j'ai mon marteau sur moi? Tout à fait. Et donc ici, boum boum, merci, that is done. Donc lui, il me produit de la truc à partir de différences d'énergie. Bon, en vrai, ça marche pas tout à fait comme je l'imagine. Tout ça, ça va bien, écoute, très très bien. La suite. Donc ça, on peut le valider, on claim. Bon, on a un peu glande... Enfin, on a un peu... Ah, oh, les walrus. Je peux toujours pas... Bon, les walrus, hein, merci. Est-ce que je les ai encore, ces foutus walrus, quelque part? Ouais. Voilà, merci. Fuck les walrus. Ça... On verra. Ah, tiens, ok. Maintenant, on va les regarder là-bas et on va aller voir si... Notre truc peut devenir un full shiny. Ça, je peux virer. Et ça. Si je prends ça. Non, hein, tu veux pas. Hein. Oh, la déception, la tristesse. Mais ça m'avait fait la même chose. Ça m'avait fait la même chose sur Awakening. Tu peux pas changer les 4 de ton shuriken. Donc là bah ça je l'ai dans le cul, hein. Très bien, je ne sais pas. En tout cas, j'ai des shuriken un peu plus puissants maintenant, enfin plus puissants non, un peu plus longue durée. Ça c'est une bonne chose.
Ok, next, on va essayer d'avancer un petit peu tant qu'à y être ici. Squeezer, est-ce que je peux faire un industrial squeezer? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Magnetically refined. On a le turbine. On peut essayer de se faire le turbine control. Turbine control, ici. 6 steel. Machine housing, un petit alternateur, un steam engine. Yeah, plein de trucs. Ok, donc il me faut du steel. Et avant de faire du steel, il me faut du coal coke. On va se prendre. Tiens, voilà. Un peu de coal coke. On va se refaire du steel. Parce qu'on sait que sinon ça va pas être efficace. Du steel, j'en ai ici, mais j'en ai pas assez, probablement. Si on regarde ça. Il me faut 6 steel mechanical components. Donc steel, donc c'est 5, 6. Parfait. Donc si je fais ça, que je fais ça, que je fais ça. Bim, 6. Ok. Ça, c'est pour ça. Sauf que je sais que j'en ai également besoin pour ça. Il m'en faut 2 ici. Il m'en faut également 4 fois 2. 8. Donc 8 de 10, il m'en faut encore 10. Il m'en faut 10. Il m'en faut 10 de plus. Donc il me faut 40 de steel, je les ai pas. Ensuite, on continue. L'alternateur, 3 de brass, 4 copper coil et 2 steel. Le brass, j'en ai un petit peu. D'ailleurs, en parlant de brass. Tiens, le copain du brass là, est-ce que je peux te. Ah oui, puis je peux pas le mettre. Je peux pas l'insérer directement. Hein. Non, c'est ça, je peux pas l'insérer directement le brass. Il faut que je me serve de ça. Ah, mais je peux pas, évidemment. Ah, dans le fond, là, je m'en fous ici, hein, on n'est pas obligé. On prend le. Ah, puis ici, j'ai du nickel. Ici. Hop, disable, ici, disable également. Ici, je vais me refaire un basic fluid tank. Comment je fais un basic fluid tank? Non. Ici, basic fluid. J'ai froid aux mains. Fluid tank, basic fluid tank, il est là. 4 de cop de d'iron, 4 de redstone, ça se fait assez bien. On va s'en faire un autre juste pour avoir un stock de brass. Alors si j'en fais 4, ce sera mieux. Voilà. Tac, tac, merci. Bim. Ici. Extract. Et ici. Boom. Et évidemment, notre ingot cast ici. Voilà. Et ça descend bien. Ok, très bien. Ok, ça c'est cool. Donc là, j'ai fait du brass. J'ai fait du brass. J'ai-tu fait du brass? Ouais, j'ai un peu de brass. Ok, il me faut des copper coils, on va aller se faire des copper coils pour le fun. On va se récupérer des copper coils. Pour faire les copper coils, il me faut des copper avec du hemp rope. Du hemp rope, j'en ai ici. Pour faire du hemp rope, il me faut 4 de ça avec un bâton. On va se refaire un petit peu de. Parfait. Ici, voilà, on se refait un petit stock, ça va faire plaisir. Ça, hop là, pas du tout, mais alors pas du tout, mon ami. Ok. On a de quoi faire du copper coil maintenant. Maintenant, largement. Donc, on a dit. On peut se faire l'alternateur. On va se faire l'alternateur tout de suite. Un peu là. Non, parce qu'il me faut du copper coil, justement. Voilà. Ensuite. L'alternateur, parfait, on a notre alternateur. Ensuite, le steam, il me faut des électriques moteurs. Pour faire des électriques moteurs, il me faut des coppers avec des iron.
Les iron, c'est de l'iron avec du copper. Donc, de l'iron avec du copper, j'ai tout ce qu'il me faut de copper. Donc ici, on a dit... non, ça c'est fait. On a dit, il me faut 4 electric motors. Les electric motors, c'est 2 iron mechanical. Donc 4 x 2, 8. 8 x ça. Voilà. Ensuite, 4 electric motors. Les electric motors, chacun me demande 3 de copper et donc des copper coils. Donc 4 electric motors. Donc il me faut 4 copper coils. Enfin, 4 fois ça. Parfait. Et donc, si j'avance ici, que je fais ça, 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 bim, 4 electric motors, on est bon. Ici, on a les electric motors, le carbide, on peut l'avoir, les iron pipes, je crois que je les ai déjà. Le machine housing, on va pouvoir se le faire facilement en faisant ça. Voilà. Hop là. Et usage, copper ça. Il me faut du carbide, j'en ai plus. Carbide, facile. On va aller chercher les iron pipes. Je crois que les iron pipes, je les ai ici. Tout à fait. Le coal, on l'a ici. On va se faire... 1, 2, 3... 6, c'est ça. Hop. Parfait. On a du carbide en masse. On y va. Ça, 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 c'est bon. Et donc, si je fais ça et que je fais ça... J'ai mon steam engine. J'ai ces deux là. Il me manque deux steel mechanical components. Et pour ça... Ah, ah bah oui, je pouvais toujours attendre. Oh là là. Je pouvais toujours attendre. Très bien. Ici, on peut lui refoutre un petit coup à la copine. Hop là. Alors la lave, on peut la foutre là. Le brass, on peut lui redonner un petit coup. Il vous a nous en sortir un petit peu, ça va être sympa. Il me manque ça, et il me manque une autre machine châssis. Pour mon autre châssis, il me faut encore mes petits LV copper. Et là, j'ai plus assez de copper. Est-ce que j'ai d'autres copper? Non, je n'ai pas d'autres copper, il faut que j'en refasse à nouveau. Oh là 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 là, du craft dans du craft. Et encore du craft, sinon c'est pas drôle. Boum, on envoie ça. On aura avancé tant bien que mal, et un petit peu n'importe comment, mais on aura avancé, c'est déjà quelque chose. Pour le reste, je vais essayer de m'organiser un petit peu mieux. De toute façon, le prochain stream sera pas avant au plus tard, au plus tôt samedi, et encore, c'est même pas sûr, peut-être plutôt dimanche, voire la semaine prochaine. Donc, j'espère d'ici là avoir le temps d'avancer un petit peu, d'essayer d'avoir une organisation propre de mon... D'ailleurs, faut que je surveille, hein, parce qu'elle est où, là? Elle est où? Elle est en train de monter, la lune. Une organisation propre de mon énergie pour pouvoir m'en servir après. J'espère également que ma mana aura monté pour que je puisse terminer mon Terra Steel, puisqu'on était rendu à peu près là. Ici, on a 128. Ah, le cooldown est un peu trop lent. Ici, 128, 144, c'est con, hein, il manquerait un tout petit peu de... c'est pas du zinc, c'est du brass. Brass. Est-ce que le brass, je peux m'en... Je peux pas du tout en faire des nuggets. Je peux faire des anchor, mais ça, ça m'intéresse pas. Et... Non. Très bien. Ici, du steel, bah voilà, le steel, c'est un peu plus d'allure. Ici, on va se faire... On a tout ce qu'il nous faut en copper, ici. Non, c'est pas ça. Tac. On avait un de trop. Très bien. Le carbidity, il va être très bien. On attend. On attend après la petite vache, là, pour qu'elle nous refasse un petit pot... un tout petit peu de brass. Ce serait bien. Et en vrai, on va bloquer ça. Comme ça, quand lui va terminer... Ah ouais, tiens, alors, où est-ce qu'elle en est, ma sigil? Évidemment, j'ai un creeper de la mort dans le tas là-bas. Sinon, c'est pas drôle. Plus vite en attaque, l'autre est deux fois plus puissant quand même. Ça... Ok. En attendant, faudra que je me dépêche, hein.
On va essayer de se dépêcher d'avoir quelque chose là. Ça avance très vite. Allez. Clac, allez, on voit. What? Ah, ou sinon je me fais pas chier, hein. C'est vrai que le copper, je suis pas obligé de me faire chier, je peux juste le foutre ici et le couler là, quel con. Très bien, ça va être plus simple. Et ici, on le disable, ici, extract, ici, insert. Très bien, et là, faut qu'on se dépêche, ça a clignoté, on y va. C'est le moment d'aller péter la gueule à un petit mob là-bas. Évidemment, il n'y en a plus. Oh, ah si. Asie. Ah, t'es pas sérieux. Spawn, 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 please, spawn. Ah, tristesse. Allez, sois cool. En plus, là, je suis à distance, là, sérieusement, là. Je suis pas assez loin. Et voilà, c'est fini. Oh là là. Sérieux, non, ça va me pomper l'air assez vite, cette affaire-là, là. Ah, puis je gagne encore les... Il y a un problème. Il y a un petit problème. J'ai une source. J'ai une source d'XP infinie. C'est génial. C'est génial. Faudrait juste que j'oublie pas de la garder en tête, cette source-là. Bon. Eh ben, lose. Ça, c'est vide. Comment ça, c'est vide? Oh! Évidemment. Puisque là. Extract, auto-extract ici, extract la lave. J'ai 25 buckets de lava, qu'est-ce que je vais foutre avec ça moi? Je sais même pas comment je peux la gérer ce truc-là. Très bien. Est-ce que je peux récupérer mes 25 buckets ici? Si je le mets comme ça, vers le bas. Ah, il veut pas. Tristesse. Et je ne sais pas si je mets mon tank. Lui, il est vide, hein. Oui, c'est ça, il est empty. Ça marche pas, ça. Damn it! Je ne sais pas quoi faire. Je viens de foutre 25 buckets de lava. Et à part classer ça. Oh là 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 là. On apprend, hein. On apprend de nos conneries. Là, j'ai fait une connerie. On apprend également. Voilà, on y va. Ici, il nous reste le machine housing à refaire. Pour faire le machine housing, il nous manque ouais, c'est ça, le LV wire. Tac, ça, c'est bon. Ensuite, machine housing. Ah, j'ai du carbide, j'ai du brass, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Ah bah, c'est pas du tout ça, hein.
C'est pas du tout complet mon truc là. Hein? C'est mort. Voilà. Et là, boum. Turbine contrôle. Oh là là, c'était pas gagné mon truc. Hein. Ici. Alors je vais commencer à ranger les trucs qui me servent à rien. À savoir dans ce paquet. Dans ce paquet. On va y arriver. Dans ce paquet là. Alors j'avais du carbide. Le générateur, on peut le virer. Le stirling. Multi-block heat. Je sais plus. Anyway, ça je vire. Stirling générateur, je peux le virer. Pour l'instant. Ça. Là, on s'est récupéré un petit bloc de copper encore. Ça, c'est très bien. Ici, on renvoie un peu de copper. La lave, elle est toujours là. Je ne sais pas ce que je vais en faire. En tout cas. Ici, le lava bucket, ça va venir ici. Alors. Pour la suite, on a ça, le multi-bloc énergie, je l'ai également, et il me faut 4 fluid tanks. Ah ben voilà. Turbine, hop, fluid tank. Et ça c'est facile, c'est 4 copper avec 4 de trucs. Parfait, ça tombe bien, j'ai fait plein de copper. Donc, 16, voilà, ça, parfait, on prend ça, on fait ça, 1, 2, on en a 4, c'est tout ce qu'il nous fallait, on n'a pas besoin de plus, on a besoin d'un multi-bloc énergie, et normalement, ah, médium, lui c'est à combien? Ah, c'est un lot, ok, comment je fais un médium? Comment je fais un médium? Ah, on a des turbines de Big Rector. Ça, il faudra regarder ça d'un peu plus près. Multi-bloc. Ok. Medium. Un multi-bloc avec un medium, tout simple. Ça, ça se fait quand même assez facilement. Un medium voltage. Il est où mon medium voltage? J'ai un medium voltage ici, très bien. Je prends mon multi-bloc ici et boum, ça c'est réglé, detect and submit, c'est validé, je prends ça et voilà, on se fait plaisir avec ça. Et ça, on va regarder un petit peu, non c'est pas ça que je voulais faire, on va ranger un peu mes cochonneries là, parce que là j'en ai marre de les trimballer sur moi. Le loot-share. Oh, sérieux, sérieusement, là, c'est de la belle merde, ce truc. Alors, ça, je vire, j'en ai pas besoin. Le fluid tank, on va voir. Je vais prendre mon turbine contrôle. Et on va se mettre quelque part, juste pour avoir une idée de à quoi ça ressemble. Je vais mettre ici, juste pour le fun. Je le place et je fais un right-click. Alors, ça me demande beaucoup de multi-blocs ici, 4 fluid tank. Dans le fond, ça me prend 4 fluid tank et 6, 8 et 6, 14, 14 et 4, 18 multi-blocs. Et ça, c'est machine housing. Ok. Et ça, ça m'en fait, on a dit, ça m'en fait combien ça? 9. Donc, deux machines housing, puis on est bon avec ça. Je prépare ça, comme ça, je vais pouvoir étudier ce truc-là d'un peu plus près et voir ce qu'on peut en faire. Je sais pas. Est-ce qu'il. Je sais, combien il produit, lui? 24 kW. Que après, je peux transformer en. C'est de l'énergie que je peux transformer avec. Je sais plus quel outil de Magnetic Craft. Ça peut me faire une bonne source d'énergie. On va se faire ça. On va se faire ça. Il me faut deux machines housing. Pour deux machines housing, il me faut. Il me faut plus de bois, de stick. Il me faut au moins un stick de plus. Voilà, très bien. Il me faut du brass. Il me faut 8 de brass. Il me faut 8 de carbide. Il me faut 1, 2 d'iron. Et on devrait être pas mal.
Donc ça, si j'en fais clac, 1, 2, 3, 4, parfait. Hop là, si je fais usage, j'en fais 2 comme ça. Si je fais usage et que je le mets dans cette partie-là, clac, boum. Et ça, il me faut de l'iron. Il me faut 8 d'iron. 1, 8, parfait. Et donc avec ça, je fais ça. Boum. Et là, j'ai de quoi me faire le petit truc. On va le tester. Il me faut le heat, le boiler ici. Le boiler, comment il fonctionne? Heat and water. Donc ici, si techniquement, si j'arrive avec de la lave d'ailleurs, on va arrêter de niaiser là. Voilà. J'ai mon cast ici. Je fais ça. Si je fous mon bucket ici et que je fous la lave, est-ce que ça marche? Parce que 25 de lave là, ça va être un petit peu long. Hein. Ouh là là, ça va être un petit peu beaucoup long. Ok. Ça risque d'être méga fucking long. Ok. J'en refais un autre ici juste pour le fun, mais après on va arrêter de niaiser. Ça va aller ici. Très bien. Le boiler. On va foutre ça en bas. Il va me falloir un peu de place. J'ai de la stone brick. Ça va très bien. On se récupère notre lava bucket et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai mes 4 tanks, parfait. Et il me faut des fluides. Il me faut un fluide pour transférer là. Hop là. Magnetic craft. Il me faudrait un pipe. Un pipe qui me permet de transférer mon fluide là. Iron Pipe, FMP compatible. Transfer Fluids. Ben voilà. Hein. Avec ça, on devrait être pas mal. On va le tester. Donc, on y va. On fout notre turbine contrôleur ici. On lui donne des multiblocs. Donc, ici, multibloc, tac, tac, tac. Ça ici, F7, ok, ça c'est bon. Ici, mes 4 tanks, clac. Ensuite, on a le médium ici et tout le reste en multi en allant jusque-là. Très bien. Erreur. En 156, 74, moins 17. 156. Dix. 17. 74. Ici, t'es pas supposé d'être un multi-bloc? Cent cinquante-six, 74, moins 17. Ok, attends, moi je regarde quoi là? F3, je suis en train de regarder. Soixante-seize. Bah non, il n'y a pas le looking. C'est vrai qu'il n'y a plus le looking hat maintenant. Il n'y avait pas encore le looking hat. Ok. Ok, multi-bloc châssis. C'est lui qui est en fait. Ah mais je suis con, il faut un petit coup de marteau. Évidemment. Ouais, ça revient même, c'est toutes les mêmes affaires. Ok, donc ici, si je prends mon petit marteau, là, non, là. Ah non, la wrench, peut-être la wrench de Magneticraft sera peut-être plus efficace. Hein.
Si je prends un petit coup de wrench. Ok, la wrench ne marche pas, le marteau. Ça ne marche pas, pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Alors remonte-moi. Ici, 5 multiblocs. Pourquoi 5 multiblocs? 1, 2, 3, 4, 5. Si je devais me fier à ce qui est marqué, le 5 multiblocs, ce serait... Là, j'ai 5 multiblocs structure. C'est quoi qui se passe? Alors, hop, hop, on va y redemander. Fais-moi un blueprint ici. Ah, mais la wrench, ça peut être. Ah, je comprends pas, marche pas. Bon, je vais regarder ça de plus près. Je vais en profiter pour l'instant pour regarder un petit peu. Alors, en fait, clairement, il me manque un problème. Il manque un truc ici. Il me manque le. Turbine contrôle. Chat from Steam. C'est parce que où est-ce que j'insère? Magnetic Raft là, ah, là, 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 je suis sûr qu'il y a un IO multibloc énergie IO, c'est pas ça. Heat IO non, électrique switch non. C'est parce que kinétique non, créature infinite steam. C'est assez violent ça. C'est parce que là, en fait, il me faut un multibloc IO tout simplement, donc un châssis avec un chest. On va prendre ça. J'ai posé tous mes châssis là. Je vais aller chercher ici comment on est là, F7. Ah voilà, je savais bien qu'il y a un petit problème. Clac. Je vais aller chercher de quoi faire un IO. Parce que c'est parce que sans le multibloc IO, que je sais plus où il est déjà. Sans mon IO qui est ici, je pourrais pas. Ah, mais c'est un chest. C'est pas bon. C'est pas celui-là qui m'intéresse. Block breaker, c'est pas ça. Conveyor, geothermal pump. Concrete. Je pense pas. Je pense pas que c'est ça. Ok, on va laisser faire ça. On va regarder nos copains ici. Coucou. Pourquoi des creepers? Oh pardon. T'es où Bob? Allez, on y est presque, on y est presque. Vas-y, vas-y, vas-y. Elle est où ma lune là? Lune. Ah, elle est pas du tout, mais alors pas du tout rendue. Hein. Ok, on peut attendre un petit peu. Alors, on a dit. En attendant, on peut essayer le boiler. Le boiler, ce serait. Je prends ça. C'est quoi si je te donne ça? Fluid water. Steam produced. Si je te donne. Aïe! Dégage toi! Oh, j'ai gagné des cœurs. C'est pas comme l'autre, hein. L'autre, là, lui, il lui faut. Ouah! Ça brûle, hein. Ah oui, non, donc je suis pas, mais alors pas du tout en fait avec ce truc-là. Ok, je vais arrêter de faire comment dire, des supputations. On va laisser ça de côté pour l'instant. On regardera. Je vais regarder ça. Je vais regarder comment ça se passe Magnetic Craft. Je vais regarder comment on fait fonctionner ce multibloc. Et à partir de là, on regardera ce qu'on peut faire. Voilà. En attendant, j'espère que mon sigil. Je me rapproche parce que mon sigil, il va être pas mal. J'aimerais bien.
pouvoir leur péter la gueule depuis là. Excellent. Allez. J'attends que le sigil soit s'active et... Ah, et j'ai oublié. Ah, je vais en avoir que un. Okay, bon, je suis trop juste là. Non, je suis pas trop juste. Je sais pas encore. Allez, allez, courage, courage, courage. On peut. Ok, vite, vite, vite. Ah, t'es pas sérieux. Ah! Plus de terre. Ah, pourquoi? Oh, t'es énervé, toi, hein? Calme-toi. Oh, tristesse. Bon, je fais que des fails aujourd'hui. C'est pas la, hein, c'est pas la grande réussite dans notre affaire ici. On va faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose pour ça. Alors, maintenant qu'on a tout notre bordel là, on va récupérer. Donc ça, je m'en fous. Ça, je récupère. Ça, je récupère. Ça, je m'en fous pour l'instant. Ah, ça, je récupère. Là, on fait faire le ménage là-dedans. Ça, je peux le ranger pour l'instant. Ça, je récupère. Ça, je récupère. Ça, je peux le ranger. Ça, je récupère. Tout ce qu'il y a là. On récupère. Désolé pour le petit bruit. Hop là. On va faire un petit. Petite réponse vite fait. Téléphone qui vibre. J'avais oublié de le mettre en place. Ce sera pas long. Et voilà. Ça c'est fait. Ok. Bon, sur ces magnifiques fails à répétition, on va passer à un petit truc pour finir. On va ranger notre bordel. On a plein de cochonneries là-dedans. Déjà ici, on peut lui mettre les têtes de zombies, le Nebulous Heart. Ça, on peut virer. On va aller faire un tour là-bas. Je vois qu'il y a des Thunderbolts qui sont prêtes. Ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. En fait, c'est un bon moyen de récolter. Il faudrait juste que j'optimise ça un peu plus, mais... C'est plein. Oh, ça, c'est cool, ça. Ça, là, oh là là, il y a plein de cochonneries. La redstone. Ok, on est un peu mieux avec ça. On peut embarquer ça. Ce sera chouette. Ça, on peut virer. Le reste, on va aller faire du ménage et ça sera mieux. Ouais, pas foufou là, notre petite réussite, notre petite affaire là en bas. Déception, déception. Il va falloir retravailler ça. Le boiler, on va le foutre ici. Copper, machin, truc, ça on s'en fout. Ça, je peux le virer. La froc aussi. Ça, je vais pouvoir augmenter mes cœurs aussi. D'ailleurs, il me faut... Ah bah c'est ça, il me faut des nécrotiques bonnes pour ça. Faut que je regarde si j'en ai eu assez. Ça, je peux ranger ici. Ça, je peux ranger ici. Le slag, je crois que je l'avais mis ici. Avec ses copains, exact. Tout à fait exact. Ça... Ça, on va le ranger. On retourne faire un tour ici. Voilà, on range l'Ender Lily.
Les Thunderbolts, combien on en a? Ah, 7, c'est pas si mal. Ça, on vire ça. Ça, on vire ça. Pff, dans le fond, on peut aller se faire plaisir. On va aller se faire plaisir avec ça. Je vais faire un peu de ménage. C'est pas fou. Alors ça, en vrai, je vais la foutre là. Ces deux-là aussi. Lui, là-haut, très bien. Hop là, ça c'est bon. Alors, on finit ça. Ouh là 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 là, j'ai déjà plus de place ici. Voilà, c'est plein, on peut plus rien faire avec ça. Tac. Donc, dans ce plein-là, on a lui, lui, lui. Qu'est-ce que j'ai vu qui était pourri aussi? Que je pouvais enlever. Lui, je peux l'enlever. Ça, c'est cool. Ça, je peux virer, ça, je peux virer, ça, je peux virer, ça, je peux virer, ça. Ah, bah, j'ai déjà plus de place. Ici, on range lui. Ici, on range ça. Ici, on peut recycler le Chance Cube, lui, les deux là. Très bien. Parfait, Ender Lily, on peut la refoutre ici. Ender Lily, j'en ai beaucoup trop, en vrai. Ça, on peut virer. Ça, 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 ça. Ici. Ici, je voulais mettre quoi? Ah, bah, j'ai 4. Il en faut 4 pour avoir un médium. Voilà, là on se rapproche de quelque chose qui a un peu plus d'allure. Ici c'est un peu le bordel. Ok, là-haut. Et voilà, donc ça c'est un peu la loose parce que. On a ouvert un pour rien. Clac, voilà. Ça on enlève. Là-haut. Ça je peux ranger. Ah, le Jade aussi je peux ranger là-haut. Et aussi, je vais y arriver. Hein. Ok, ça c'est pas mal. Ensuite. Hop là. Voilà, ça c'est un peu plus ordonné. On va ranger le Blacker Lotus ici, ça nous permettra de remplir Botanier. On va peut-être essayer d'aller jusqu'à nos derniers. Ça c'est cool ça, c'est pareil, Botania cadeau. On va essayer d'aller jusqu'au dernier. Oh là 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 là, toutes ces cochonneries. Iron. Iron, 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 iron. Ok, très bien. Est-ce que ceux-là, je peux les recycler? Mais oui, je peux les recycler. Ouh là là, ça c'est bon. Très bien, on va les recycler tous. Tac. Tac. Parfait. Oh là là, j'ai déjà tout reblindé. Oh la vache. Ok. Ça, je prends. Ça, je prends. Les deux Enders, je les vire. L'Arc Furnace, je l'ai déjà. Le Savery, Single Use, on s'en fout. Le méga rubber, le redstone alloy, ça on peut virer. Oh yeah. On va se faire du stock ici. Le méga rubber il se trouve ici. Dans le sac ici, je vais mettre les deux enders. Ça. Les safarinettes aussi, on peut les virer. Parfait, ici on a fini notre ménage ici. Ça je peux le virer, ça je peux le virer. Les jailers on peut les garder. Ça je peux le virer, ça je peux le virer. Ça. C'est pas mal. Le call ici, ça on peut le mettre là. Ça. Là-dedans. Ça. Parfait. Tout ça à cuire. Ça va faire bien plaisir. Un peu de ménage, ok. Allez, on essaye vite fait d'aller. Oh la vache, c'est vrai que j'ai tout ce bordel.
Il y a mon ingot ici. C'est pas grave. Empire, je les laisserai en plan ici. Ça, je peux le ranger. Botania ici. On a dit, j'ai de l'underbull là-haut. L'underbull, on peut la mettre ici. Le reste, ça prendra le bord. Les artefacts, c'est quoi? Rejuvenating, convert emerald, when dropped, provide illumination. Donc ça, si je le drop, pas compris. À 2 secondes de fuse. Une. Ah oui, bah oui, dis donc. Ouh la vache! Ah, il y a beaucoup d'émeraudes en fait. Hein. Ça, je peux le virer. Ça, on a dit. Boum. Ok. On descend. On s'en va à Botania. On va aller voir si on a rempli un petit peu plus notre. Oh, c'est pauvre. Hein. Il m'en manque 3. Mana Powder? C'est du Mana Powder? Non, c'est Mana Diamond. On a dit on vire ça. Et on a dit on prend ça. Je crois qu'on l'aura pas notre. Bon, on va avoir 7 terracils, il restera un petit peu. Je vais sûrement rester un petit peu AFK pour pousser cette. Ou sinon. Sinon, je suis un peu con. Hein. Si j'essaye avec ça. Et que elle. Je la mets là. Là, j'ai encore. J'ai un peu d'énergie ici, là. Ouais, j'ai un petit peu d'énergie. Voilà. On va essayer, avec l'énergie qui nous reste, si on fait bouger nos sparks. D'ailleurs, je pourrais en refaire d'autres. Je vais en refaire 2 autres. Mais je vais juste attendre. Il me faut... Là, je peux en faire 2 autres. On va faire 3 autres, en fait. Il me faut ça et il me faut pour faire des sparks, on y va. J'ai oublié celle du milieu, c'est des golden nuggets, très bien. On se fait les golden nuggets, on se fait les dernières sparks, on atteint le dernier Terra Steel et on se casse. Ça me paraît pas mal comme plan. 3 sparks supplémentaires. 3 sparks, c'est donc 3 blaze rod, enfin 3 x 2 blaze powder. D'ailleurs, je suis con, hein. Si je les passais dans le grinder, je pense que ça me coûterait moins cher. C'est un peu pénible. On y va, spark, bim. Évidemment, ça marche que si j'ai les bonnes. Tac, voilà. On prend les sparks ici, on les met en place. On en met une ici et une ici. Et là, ça devrait envoyer un peu plus de pâté pour le dernier. Dernier Terra Steel. Voilà. Faites votre travail, les copines. Donc, il y en a qui vont se vider complètement, évidemment. Mais on termine correctement notre truc. Puis en plus, ça va beaucoup plus vite. On a nos 9 Terra Steel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait. Hop. Block of Terra Steel. Et. Wicked Fusion Stone. Et ça.
Ça, c'est le début de ça va aller beaucoup mieux pour la suite. On revient à notre petit Botania ici et Agricraft et Magical Crops. On est rendu ici, on vient de récupérer la Weak Infusion Stone et ça, c'est un vrai bonheur. On récupère, on vire ça, on prend le loot chest pour le fun. Ça, c'est de la merde. Et voilà. On va se laisser là pour ce live. Ça a duré ben, un bon petit 3 heures, hein, comme d'habitude. Beaucoup de fails, enfin beaucoup de fails, en tout cas beaucoup de tâtonnements aujourd'hui. On a avancé, on a quand même quelques quêtes qui ont avancé, mais clairement, je dois me mettre à niveau au niveau. Ben, en ce qui concerne Magnetic Craft notamment, il faut également que je me bouge les fesses pour pouvoir. Pour pouvoir avoir un setup d'énergie qui a de l'allure, pendant que les vaches sont en train de faire la nouba derrière moi. Il faut que je me gère mon setup d'énergie pour que ça ait de l'allure. Il faut que je réussisse à faire comment dire, le rituel du sigil. Je vais essayer de le faire de mon côté. Si j'y arrive, bah, je vous remontrerai éventuellement comment faire. Voilà, bref, beaucoup de choses à voir. Je vais essayer de profiter du délai qu'il y aura entre la fin de ce stream et le prochain stream. Pour pouvoir préparer ça un peu mieux, j'avoue qu'aujourd'hui c'était un petit peu à l'arrache. Donc on va s'améliorer, on l'espère. Voilà, quant à moi, le prochain stream, comme je l'ai dit, ce sera probablement pas avant au minimum samedi, voire peut-être dimanche ou la semaine prochaine si j'ai pas le temps. On verra tout ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur le Discord et aussi sur le décompte de Twitch, il suffit d'aller sur la page de Twitch, vous regardez sur ma page Twitch, vous trouverez le décompte. Je vais le mettre à jour dès que je pourrai. Et voilà. Sur ce, je regarde, je vais voir si est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je peux vous streamer là, je peux vous envoyer. Je pense qu'il n'y a pas grand monde à bouger, mais on sait jamais. Non, j'ai personne. Et ben comme ça c'est réglé, il n'y a personne qui stream dans mes contacts, c'est normal, il est rendu un petit peu tard. Bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci de m'avoir regardé, merci Freelancer comme d'habitude d'avoir été présent à peu près tout le temps. Et je vous retrouve dans très peu de temps, je vous tiens au courant. Merci à tous et bonne soirée.